Des actions que menait l'ACTOG il y a de cela quelques années.
Ces conférences étaient assez périodiques et elles avaient pour vocation justement de réfléchir ensemble collectivement sur un certain nombre de sujets d'importance stratégique et capitale pour notre pays notamment. On a eu l'occasion pendant ces conférences-là de faire participer des scientifiques de haut niveau, des intellectuels de haut vol, mais aussi des acteurs majeurs de la politique guinéenne. Et donc, je me réjouis d'initier le retour avec vous de ces conférences sur un thème évidemment qui nous intéresse au plus haut point, qui est celui de la diaspora guinéenne de France, bien entendu, puisque nous sommes en France, mais nous aurons aussi à couvrir ce thème de manière assez large, puisqu'on parlera de la diaspora en général. Mais juste avant, comme l'a rappelé le président Cathy, je vais vous lire une contribution d'un de nos frères qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, parce qu'il est à Mayotte. Et ensuite, compte tenu de l'agenda de l'ambassadeur, son excellence M. Camara, nous lui donnerons la parole pour qu'il nous fasse nous dise ce qu'il pense, lui, de la diaspora, enfin, de ce thème ô combien important. Et enfin, je reprendrai la parole pour vous présenter quelques éléments du thème. Donc, j'ai choisi de faire une conférence académique, classique, traditionnelle, mais de plutôt poser le cadre, les enjeux du débat, donner quelques éléments aussi, à la fois statistiques et de réflexion, et ensuite illustrer cela par des exemples précis, pour permettre justement à mon propos d'être concret et pour aussi passer le message que la diaspora, ce sont des hommes et des femmes, mais c'est aussi des actions qui, au quotidien, contribuent au développement de la Guinée. Donc c'est le pari que nous avons choisi. Ce pari ne sera pas récurrent, parce que ça dépendra des prochains intervenants qui pourront eux décider de faire des interventions plutôt académiques. Je précise que la prochaine conférence aura lieu d'ici la fin de l'année, donc on a pensé à plutôt au mois de septembre, octobre. On vous fera appel également. On a décidé véritablement tous les ans de réfléchir collectivement sur ces points-là. Donc sans plus tarder, je vais vous lire cette contribution, ça ne va pas durer longtemps. On a estimé que c'était important de vous le présenter parce que ça posait aussi des éléments du débat. Et par ailleurs, Saul Lopé étant l'ancien de la COP, je pense qu'il y a aussi 20 ans, fait partie de ce qu'on appelait courir les poids lourds, avec le frère Valé. Donc très rapidement, cette contribution a pour objectif d'apporter un point de vue complémentaire qui s'inscrit dans la continuité avec ceux des membres de la COP sur une question à laquelle nous sommes tous organiquement attachés. Si l'avenir de la Guinée est une préoccupation majeure et légitime pour nous tous, c'est qu'elle concerne de façon existentielle nous et nos enfants. Pensez à une Guinée émergente de demain, quand nous sommes plongés de façon consciente dans sa tumultueuse histoire récente, est une ambition bien fondée à plus d'un titre. D'abord à la qualité intrinsèque de ses enfants qui œuvrent pour la construction de l'unité nationale, ensuite par la variété de ses ressources naturelles dont la mise en valeur permet aux Guinéens d'échapper à la famine. Non seulement cette ambition d'une Guinée émergente est à saluer, mais nous devons aussi nous persuader que pour l'atteindre, tous les Guinéens doivent être déterminés à consentir de grands sacrifices appropriés. De mon point de vue, donc du point de vue de M. Lopé, le sens d'une Guinée émergente est essentiellement économique. En effet, si on analyse l'histoire récente des pays qualifiés d'émergents, ils ne doivent ce qualificatif qu'au développement économique qu'ils ont connu à partir des années 90. C'est ce qui permet aujourd'hui, en termes de mondialisation, de les considérer non pas comme des pays tolérés, mais comme des acteurs majeurs dans cette mondialisation qui fait le bonheur économique de certains pays, pendant qu'elle en étouffe beaucoup d'autres. Nous partirons dès lors du constat que la Guinée est un pays du tiers-monde parmi ceux qui sont qualifiés aujourd'hui de pays en développement par euphémisme, pour ne pas les désigner de pays pauvres. Ce constat nous amène, après réflexion approfondie du citoyen, et en
s'appuyant également sur une observation objective des difficultés réelles du pays, a suggéré qu'il soit procédé à une triple rupture. Tout d'abord, une rupture intellectuelle avec certaines conceptions archaïques héritées de notre passé, conceptions totalement incompatibles avec les exigences du futur économique de notre pays. Autant ces anciennes conceptions enferment dans des particularismes ou pas, autant la rupture avec elles permettrait des ouvertures indispensables et utiles et ferait le bon sous-bassement d'un futur viable pour tous les enfants du pays. La seconde rupture est une rupture politique avec les idéologies souvent meurtrières qui ont fait tant de mal en altérant gravement l'unité du pays. Cette rupture politique, une fois réalisée, il faudra faire des choix réalistes et utiles dans un investissement réfléchi de tous les leaders. La troisième rupture va consister à sortir de la mentalité d'assister pour se mettre dans la peau de véritables bâtisseurs, c'est-à-dire de gens décidant de grands et à être des acteurs d'une véritable dynamique économique. Tout cela suppose, à n'en pas douter, un appui déterminé et conséquent des autorités guinéennes à un tel programme. Nous ne reviendrons pas sur la rupture intellectuelle, qui, chacun le sait, doit s'imposer. D'abord, nous nous poserons une triple interrogation. Tout d'abord, quelle Guinée voulons-nous pour nos enfants? Ensuite, faut-il reconduire la Guinée des idéologies et toutes formes, qu'elles soient politiques, religieuses ou morales? Et enfin, doit-on s'imposer plutôt l'édification d'une Guinée capable d'arrêter l'hémorragie de l'émigration de ses enfants, force vive qu'elle continue à perdre à travers sa diaspora? La troisième interrogation, capitale à nos yeux, contient implicitement les réponses aux deux premières. Elle ne sera résolue que lorsque notre pays sera capable d'assurer le premier palier des besoins primaires de nourriture de ses enfants, lorsqu'elle sera capable ensuite de leur donner une solide instruction, de leur garantir une bonne sécurité avec une vraie joie de vivre dans le respect de leur liberté d'expression et de conscience. Bref, leur donner la joie et la fierté d'être des Guinéens fiers de vivre avec les autres dans leur pays sécurisé. De toute évidence, nous ne pouvons pas tous vivre de politique. Il est donc temps de penser à une véritable division du travail, à chacun suivant ses capacités et selon ses besoins, comme le dirait le penseur. Mais comme on l'a vu dans les pays qui ont réussi à s'en sortir, tout cela ne sera possible que s'il y a une réelle volonté des Guinéens à œuvrer ensemble pour le redressement de leur pays. Dans cette perspective, la diaspora guinéenne peut jouer un rôle capital. Une diaspora dont les membres ont compris dans leur pays d'accueil que l'administration seule ne peut pas nourrir tout le monde, ni lui assurer un emploi. Il est dommage dès lors de constater encore de nos jours que le rêve de beaucoup de nos compatriotes reste d'être assis dans un bureau climatisé, cela étant plus comme une fin en soi. Il est bien désolant aussi de voir perdurer un tel état d'esprit. Pratiquement 80% du commerce intérieur du pays est tenu par des Guinéens ne sachant ni lire ni écrire. Alors que le pays regorge de diplômés en économie, en gestion des affaires et des entreprises. Que dire des terres cultivables laissées en jachère depuis pratiquement la période de l'indépendance jusqu'à nos jours, alors que des spécialistes en agronomie pullulent dans le pays? De combien la Guinée dispose-t-elle à ce jour d'ingénieurs en génie civil, en travaux publics, en urbanisme? La liste en serait longue. Sommes-nous prêts à mouiller le maillot? Pour utiliser le langage populaire et sportif, nous espérons que oui. Les autorités guinéennes sont-elles prêtes à soutenir, encadrer et protéger les activités vitales pour le développement économique de notre pays? Nous ne saurions en douter. Pour terminer cette contribution, c'est en toute logique que nous rendrons un hommage appuyé aux aînés et à tous ceux qui permettent à l'atome de se maintenir et la font vivre à travers un investissement de tous les jours, cela avec peu de subventions et un budget faible. Aussi, nous dirons que depuis sa création en 1986, l'atome constitue quelque part l'âme de la diaspora guinéenne de France. C'est en souhaitant très bonne continuation et très bon débat
que je réaffirme la conviction d'une Guinée en train de se relever, péniblement certes. Elle réussira son émergence grâce à l'esprit de discernement de ses autorités, cela d'autant plus rapidement que nous nous y attellerons tous avec conviction et avec sincérité. Monsieur Alpha Ramadou Lopé Sow, docteur en histoire, professeur certifié au lycée d'Amélie à Mayotte. C'est, mes chers amis, mes frères et sœurs, la contribution, je pense, pertinente de notre ami et frère Sow Lopé, qui, comme vous l'avez entendu, pose le problème dans une globalité qui nous paraissait intéressante. Et c'est pour cela qu'on a tenu à vous le dire en introduction, et non pas à l'intégrer dans la conférence, parce qu'au fond, c'est une conférence collective que nous faisons. Et je porte à votre réflexion les questions essentielles. 80% du commerce intérieur sont gérés par des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Un certain nombre de terres sont en jachère. Par ailleurs, il pose une autre interrogation qui fera l'objet de notre débat. La diaspora guinéenne, nous considérons, nous, d'emblée, que c'est une chance pour la Guinée. Mais Sow Lopé, vous l'avez entendu, se demande si ce n'est pas une hémorragie des forces vives de notre pays. Ça, à mon avis, c'est un débat aussi qu'on devra avoir entre nous. Mais évidemment, il pose comme préalable pour que cette diaspora puisse apporter davantage à notre pays la capacité de discernement des autorités politiques et puis l'esprit et l'idée d'union sacrée qui aussi correspondent aux grandes lignes de mes propos dans quelques temps. Donc sans plus tarder, je vais demander à son Excellence M. Amara Camara de venir nous rejoindre apporter sa contribution au débat, parce qu'il ne pourra pas rester. Merci, Excellence. Et évidemment, il pourra suivre nos débats, nos travaux sur le GEMA, puisque, comme vous le savez, nous serons diffusés, je pense, ce soir ou demain, sur le GEMA. Il y a d'autres sites aussi qui sont intéressés, qui n'ont pas pu venir, qui m'ont demandé de excuse, mais qui se feront un honneur de pouvoir prendre part à nos débats à travers cette diffusion du GEPAR. Je vous remercie au nom de la COM et sans plus tarder, je laisse la parole à son Excellence M. Amara Camara. Deux années-là aussi, ils ont coupé plus de temps.
cause des intérêts de la République. Nous sommes même pas ici pour rester, nous devons être obligés de rester. Étant obligés de rester, nous avons appris à travailler autrement. Nous avons acquis des connaissances qui n'étaient pas à la disposition de nos frères qui étaient restés. C'est en ça que j'ai la conviction que si nous voulons que notre pays change, il faut qu'on s'implique massivement, qu'on s'implique, que les enfants acceptent le monde qu'ils ont impliqué, qu'ils soient fiers de ce pays-là. Mais cette fierté commence par nous-mêmes, par notre propre patriotisme. Nous croyons en notre pays, nous croyons en l'essence de ce pays qui a tous les atouts. Nous sommes un des rares pays en Afrique qui n'a pas besoin d'aide, qui a besoin d'investissement. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Et si je devais dédramatiser mon propos, vous me direz que quand Dieu a créé la Guinée, nos voisins se sont plaints. Que Dieu nous avait donné la montagne, la savane, la mer, la forêt, les mines, la terre, l'eau, et eux, Dieu leur a dit, attendez, je vais encore mis les Guinéens. Parce que quand il nous a mis, nous sommes derniers dans notre région, nous sommes plus censés être plus gentils. Et c'est en ça que c'est revendiqué, c'est en ça que je suis revendiqué, c'est en ça que je vous dis aussi que le gouvernement que je revends ici sera toujours aux côtés des bâtards qui veulent aider le pays à s'en sortir, pour que nos enfants, nos petits-enfants soient fiers de ce que nous avons essayé de bâtir. Parce que notre génération, son ambition se limite à laisser à la jeune génération une Guinée en état de marche, et c'est ensemble que nous réussirons cette aventure et nous donner un objectif, une ambition à notre pays. Cette ambition, je l'ai pour mon pays. Je l'ai toujours eu et je l'ai à ça aussi, je partage la douleur de la famille dans son endroit, qui était passionné par son pays, et qui voilà, qui est mort sans avoir donné son talent, sans avoir prêté son talent à ce pays qu'il avait absolument besoin. Le facti que si peu de connaissances, beaucoup que dans son endroit sont dans la nature ici, adorent leur pays, mais ne leur ont pas donné les moyens, ils prêtent leur talent. Le jeune Silla qui va vous parler tout à l'heure, il fasse tout. Je suis fier de lui parce que c'est un rare polytechnicien de l'Égypte guinéenne. Et qu'on fasse, qu'on en soit fier, qu'on fasse quelque chose. Parce que c'est nous, nous avons combattu l'excellence, nous avons combattu l'intégrité, nous avons combattu la rigueur. Et c'est ça qu'il faut absolument, il est temps qu'on mette fin à ça, que cela se passe autrement. Et c'est juste ce petit message que je voulais vous faire passer. Témoignez de mon soutien, de mon appui, et vous dire que tous ensemble, nous réussirons une Guinée meilleure. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Monsieur Kassim, pas dire de mots pour vous. Donc, c'était pour remercier son Excellence d'être intervenu et de nous avoir apporté son observation sur la diaspora. Je le fais dans le passé pour savoir que ce qu'il dit, ce qu'il a au fond de lui-même, par amour pour ce pays et le regret du gâchis que ce pays fait par rapport à cet espoir. Merci encore, Excellence. Vous avez votre question ? Absolument. Oui, absolument. Allez-y, Excellence. Et je vais demander à François Silla de lui dire de rejoindre ici. Thank you.
qui va prendre la parole aussi pour expliquer en quoi l'art et la culture, ce que les Américains appellent le soft power, peut contribuer aussi à renforcer l'influence et le rayonnement de notre pays. Et puis, on finira par un autre artiste, qui est un ami, un frère, Jean-Paul Curtis, qui est designer, qui lui aussi va prendre la parole pour illustrer à sa manière également l'apport de la diaspora. Voilà un peu ce que nous vous proposons. Et ensuite, évidemment, nous ouvrirons le débat et nous arrêterons à 17h parce que nous sommes pris par le temps et par les contingences de l'état d'urgence français. Voilà, donc sans plus tarder, je vais d'abord commencer par vous dire une chose très simple et que vous avez en substance dans la contribution de notre frère Solopé. Évidemment, nous constatons un véritable paradoxe guinéen. Ce paradoxe s'explique par le fait que c'est un grand pays qui a vu une part très importante de ses enfants s'exiler, s'expatrier. Peu de pays en Afrique ont connu cette histoire, et une histoire qui est liée évidemment au fameux nom historique du président Sékou Touré en 1958, qui malheureusement pour notre pays a vu le départ de nombreux membres de l'élite, mais aussi d'hommes et de femmes qui sont allés dans les pays voisins, voire même plus loin dans les pays occidentaux, pour trouver soit une vie meilleure, soit un régime plus conforme à leurs aspirations. Aujourd'hui, les populations guinéennes sont estimées à 12 millions de personnes. Et sur les 12 millions d'habitants, nous avons, ça c'est les chiffres du ministère des Guinéens de l'étranger, de l'année dernière, nous avons environ 5 millions de Guinéens à l'étranger. 5 millions sur une population de 12 millions, faites le calcul, c'est énorme, c'est quasiment la moitié. Pendant longtemps, on nous a dit un quart des Guinéens sont à l'étranger. Aujourd'hui, les chiffres officiels, c'est quasiment la moitié des Guinéens qui sont à l'étranger. Donc c'est une force vive extraordinaire. C'est une part essentielle de la Guinée. Et si je veux aborder la dimension française, là, on a quelques soucis avec les chiffres, parce qu'on n'a pas de données précises et fiables du nombre de Guinéens qui vivent en France. Je vous avoue que depuis deux jours, j'ai dû voir une dizaine de statistiques qui partent de 60 000 à 150 000. Vous voyez, le gap est quand même assez important. Mais si on fait un recoupage des données, on peut estimer à environ 80 000 le nombre des Guinéens. Mais évidemment, on sera prudent, parce que vous savez bien que, hélas, au sein de la population guinéenne de France, on a aussi un certain nombre de sans-papiers, et par définition, ils échappent à toute statistique. Mais on peut faire une prévision tout de même de ce nombre-là. Et donc aujourd'hui, on tourne autour de ce chiffre-là. J'en profite pour vous dire que l'ACTOG est justement, et c'est un appel que je lance aux grandes associations guinéennes de France, notamment à la coordination des associations guinéennes de France, dont nous avons le plaisir de recevoir ici deux des anciens présidents, trois, pardon, je vais voir le frère Campbell Cissé, assis à côté du frère Thierno, Camara, et évidemment le dernier président en date, le frère Malik Tabadjabi. Je pense sincèrement que nous devons ensemble travailler sur une banque de données plus ou moins fiable, à la fois du nombre de Guinéens vivant en France, mais également des ressources de cette diaspora-là, parce qu'il n'y a pas de données précises là-dessus. Donc aujourd'hui, on va se contenter du chiffre de 80 000, avec les prudences dont je vous ai parlé. Sur les 80 000, je ne peux pas ne pas vous parler d'une part importante de cette diaspora, qui est constituée par la jeunesse, notamment la jeunesse estudiantine. Là aussi, nous sommes confrontés à des chiffres qu'on va prendre avec des pincettes,
parce qu'ils sont le fruit de regroupements divers. Le dernier travail en date qui a été fait là-dessus date d'une dizaine d'années, vous voyez. Ça a été fait par un de nos frères qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est à l'étranger. C'est le frère Caio Gallo que certains connaissent ici. C'est un travail exhaustif, d'ailleurs très intéressant. Vous pourrez, si vous le souhaitez, on vous donnera des références. Et qui, lui, estimait, grosso modo, vous savez qu'en France, on a une population estudiantine de 2 millions de personnes. Sur les 2 millions, on considère qu'à peu près 11% représentent les étudiants africains. Donc, les étudiants africains sont estimés à peu près à 260-270 000 personnes. Et sur ces 260-270 000 personnes, on estime, mais là aussi on le fait avec des pincettes, et je lance encore ce deuxième message de l'importance de travailler sur des données statistiques plus fiables. Et ça, ça sera une des missions de l'ACOR, mais je pense également de ces grandes associations-là. Aujourd'hui, le chiffre tourne autour de 10 à 15 000. Vous voyez, pour le cap, les droits sont moins importants, ce qui n'est pas mal. Mais on constate là aussi que parmi ces étudiants, évidemment, l'essentiel, l'énorme majorité, plus de 90%, sont dans des processus universitaires. Mais on a quelques-uns qui sont dans des grandes écoles. On n'a pas d'étudiants, je pense qu'on doit avoir deux ou trois, mais François Silva nous le dira tout à l'heure, à Polytechnique. Je vous souviens qu'il y a quelque temps, le frère Omar Sissé vous avait demandé d'assister à la remise de diplôme d'un jeune guinéen polytechnicien. Moi, j'avoue que François Silla est le troisième polytechnicien guinéen que je connais. Mais nous avons dans des grandes écoles de commerce un certain nombre de Guinéens qui ont la double nationalité et qui appartiennent à la diaspora guinéenne. Donc là aussi, voilà les chiffres que je peux vous donner sur les données statistiques. On a, grosso modo, dans notre pays, un taux de scolarisation de 51%, ce qui est quand même intéressant. Ça, c'est la Guinée de l'intérieur. Mais ce taux de scolarisation qui est dû aux efforts récents des autorités guinéennes, on peut justement y ajouter la scolarisation des Guinéens qui vivent ici et en France. Autre chiffre qui me paraissait important, c'est évidemment, ça nous concerne le plus haut point, c'est les transferts de fonds. Là aussi, nous avons des chiffres qui vont être ajustés pour des raisons très simples. Vous avez les transferts officiels et vous avez les transferts informels. Et les transferts informels prennent de plus en plus de place et d'importance. Parce que ces transferts informels ont des facilités d'action. Quand vous allez à Château Rouge ou ailleurs, ou à Château d'Eau, on ne vous demande pas de pièce d'identité. Lorsque vous allez à Western Union, Moneygram, Money Express, évidemment, vous devez décliner votre identité et ça crée un certain nombre de problèmes. Cela dit, grâce à des efforts qui ont été faits par ces grands organismes-là, aujourd'hui, le taux, la taxe que vous payez est de plus en plus modique. Et donc, aujourd'hui, les différences ne sont pas énormes entre les transferts opérés par ces grandes institutions financières et les transferts des agents de change qu'on pourrait trouver à Château d'Eau ou à Château Rouge. Mais aujourd'hui, les transferts de fonds globaux, ça c'est des données de la BAC. Je remercie le frère Malik Kadra, avec qui on a vu récemment une donnée intéressante sur l'étude de la BAC sur ces questions-là. Les transferts vers l'Afrique sont estimés à 37 milliards de dollars de la part de la diaspora africaine. On estime à environ, là aussi je suis prudent, mais je peux vous annoncer ce chiffre-là, à 5 milliards les transferts qui viennent de l'informel. Et sur les 5 milliards, on peut, grâce là aussi à des regroupements et aussi à des études, on va dire des enquêtes qui ont été faites,
Je vous donne un exemple. Moi, j'ai demandé, par exemple, au Djabi et au Mohamed, à des agents là-bas, à peu près combien ils avaient environ de dinars qui passaient et sur quel montant journalier. Bon, évidemment, on peut les comprendre, hein, ils ont fait les gaffes, parce que je pense que par rapport à la législation financière française, bon, il y a peut-être des choses qui ne méritent pas forcément d'être communiquées. Mais dans ces différents regroupements, on peut parler quand même d'un chiffre qui est intéressant. Moi, j'ai estimé dans ces différents regroupements à 300 millions d'euros. C'est énorme, 300 millions d'euros. Évidemment, là encore, autre message. Je veux bien faire une petite introduction lors de la prochaine conférence pour vous affiner davantage ces montants-là. Mais vous vous rendez compte, 300 millions d'euros comme contribution potentielle de la diaspora guinéenne de France, il y a de quoi faire beaucoup de choses avec. Et ça pose le problème de l'importance aussi de cette diaspora-là. Autre point, donc ça c'est les données essentielles statistiques que je voulais vous donner. Je vous ai dit qu'on avait un taux de croissance de 4,6%, donc l'espoir est permis tout de même. Je voulais aussi intervenir sur les actions, sur la notion d'action, les actions concrètes que la diaspora a aussi bien entendu. Je vous l'ai dit, je brosse le cadre général et après on pourra illustrer certaines de ces actions. Là-dessus, les ONG, donc les associations, puisqu'il n'y a pas de différence réelle entre ONG et association, mais en bilan d'un de ONG, c'est un peu plus impressionnant, ils ont le même statut. N'est-ce pas, Mme Pérard, qui a fait une étude intéressante là-dessus pour la COP. Les associations donc sont en première ligne dans les contributions de la diaspora guinéenne à l'égard du développement de notre pays. Ces associations guinéennes sont parmi les plus dynamiques en France. Pendant longtemps, on citait les associations maliennes et sénégalaises en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, et camerounaises et congolaises pour l'Afrique centrale. Aujourd'hui, on peut sans trop de mal intégrer les associations guinéennes dans ce processus-là. Et ces associations, évidemment, sont organisées autour de la, pour ce qui concerne la Guinée, bien entendu, de la coordination des associations guinéennes de France. Mais au-delà de cette coordination des associations guinéennes de France, comme vous le savez, existe et persiste un certain nombre d'associations qui mènent des actions de manière autonome et qui sont des actions très pertinentes. En ce qui concerne la Guinée, j'en veux pour preuve, elle n'a pas pu être là, j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre, notre sœur Marc Dédé Kouibouki, qui n'appartient pas directement à la coordination, mais qui, notamment dans le processus de solidarité autour de la maladie, enfin du virus Ebola, a apporté une contribution énorme, estimée en 8 tonnes de produits qui ont été acheminés vers la Guinée. J'en veux aussi pour preuve les associations de femmes qui sont organisées soit de manière juridique formelle, soit de manière informelle autour des tontines, qui régulièrement font des apports très importants en direction de notre pays. Donc les fameux millions, centaines de millions d'euros, ben, ont aussi une part importante de contribution de nos sœurs et de nos mères et de nos femmes. Ça nous paraît être des éléments essentiels. Nous avons sur l'apport de la diaspora, bien entendu, un apport des entrepreneurs. Là-dessus, nous sommes, malheureusement, nous déplorons un faible taux et pourcentage d'emploi d'entrepreneurs guinéens. Il en existe au niveau de l'artisanat, il en existe un nombre assez important. Là aussi, pareil, il n'y a pas de données statistiques précises, y compris au niveau des structures officielles françaises. Comme les chambres de commerce. On a des données sur la chambre de commerce de Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas si Campbell il est là dans la salle, il va peut-être pouvoir nous faire des informations là-dessus. Mais en Seine-Saint-Denis, on cite une centaine
proverbe guinéen, je pense que le chiffre est beaucoup plus important. Mais là aussi, il y a un travail essentiel à faire de notre part. Ensuite, toujours sur les actions et les initiatives, bien entendu, vous avez toute la dimension recherche, toute la dimension scientifique, intellectuelle, où là, effectivement, la diaspora guinéenne apporte sa contribution à travers des missions d'enseignement, à travers aussi des activités de recherche. Notre frère François Sina en parlera certainement. Donc je ne vais pas être long là-dessus. Et je vais passer sur la partie qui concerne un sujet qui pour nous est très important, c'est le top 10, qui participe aussi de ce transfert de compétences et de cet échange, de ces échanges essentiels et indispensables pour le développement de notre pays. En expliquant que d'abord, sur le top 10, je vous présente les excuses de notre frère Amara Kamara, par l'ambassadeur, le haut commissaire à la réforme administrative qui devait être là avec nous aujourd'hui pour vous faire une présentation exhaustive de la politique de réforme administrative guinéenne, notamment en direction de la diaspora, en faisant un point particulier sur le top 10. Le Premier ministre, M. Youla, lui a demandé seulement la semaine dernière, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il avait confirmé sa participation. Le Premier ministre lui a demandé de diriger la commission de préparation du séminaire gouvernemental qui aura lieu les 1er et 2 avril prochains à Conakry. C'est un de nos cadres aussi qui appartenait à la diaspora, qui aujourd'hui est rentré. Et donc, il nous a envoyé un message. Je ne vais pas vous le lire, parce que c'est bon, je pense qu'avec le message de Solopé, on était assez, comment dirais-je, complet. Mais il nous demande donc de vous présenter ses excuses, parce qu'il ne peut pas être là aujourd'hui, puisque là aussi, il est au service de la réflexion pour un gouvernement plus efficace. Et donc, évidemment, le président Aboukati et moi-même, nous lui avons dit que nous le comprenons fort aisément, puisque cette contribution qui aura lieu pour le 1er et 2 avril est essentielle. Et je pense que de souvenir de Guinéens, il n'y a pas eu beaucoup de séminaires gouvernementaux de travail, donc c'est une première intéressante. Espérons que de ces deux jours de travail qu'il y a, sortiront des choses importantes à la fois pour notre pays, mais aussi pour la diaspora guinéenne et la place qu'elle peut occuper. Je voudrais aussi insister sur le fait que sur le top 10, grâce à nos efforts collectifs, l'effort de la COP, mais aussi l'effort de d'autres structures qui estimaient qu'il était important que le top 10 reprenne, le top 10 a redémarré et vous aurez un témoignage d'un de nos amis et frères qui rentre de Guinée sur une mission top 10. Le top 10, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, c'est un projet qui est financé par le PNUC, donc les institutions financières internationales, qui permet à la diaspora guinéenne, aux expatriés, comme on dit guinéens, vivant à l'étranger, d'apporter leur contribution à leur pays. La prise en charge se faisant évidemment par les fonds internationaux et la durée oscillant autour de 1 à 2 mois. Beaucoup de cadres actuels guinéens sont rentrés en Guinée grâce au top 10. Et à cet égard, il faut le dire, parce que M. Kati ne l'a pas dit, il a évoqué, mais il n'a pas été très précis, la COP a joué un rôle considérable, parce que quasiment 80% des expatriés top 10 provenaient de la COP ou avaient été identifiés par la COP. Mais là-dessus, d'autres associations ont le loisir de nous contacter pour nous faire des propositions à cet égard-là aussi. Sur le top 10, dernière chose que M. Amara Kamara nous a demandé également de vous communiquer, il y aura une évaluation qui va être faite de ce top 10 et ça a été inscrit en Conseil des ministres comme étant un élément essentiel. Et je parlais de paradoxe de la Guinée. À la fois, aujourd'hui, les Guinéens de l'étranger sont convoités. L'ambassadeur l'a dit, hein, le premier diaspora, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il se qualifie, le président de la République.
y a de vrais engagements qui sont faits sur la nécessité de faire appel aux Guinéens de la diaspora et de les impliquer. Il y a des signaux forts qui sont donnés, mais, parce que, évidemment, il faut le dire aussi, parfois, on y perd son latin, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, et donc je pose également cette contribution dernière au débat, aujourd'hui a été supprimé le ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Et pour nous, c'est une contradiction majeure qui enrichit ce fameux paradoxe guinéen, parce qu'on ne peut pas à la fois vanter les mérites de la diaspora, on ne peut pas à la fois constater l'importance de la contribution de la diaspora au développement de la Guinée. Je vous ai donné des données chiffrées, mais j'aurais pu parler d'autre chose d'immatériel, dont nous parlons, nos artistes notamment. On ne peut pas, lors des différentes déclarations officielles, à la fois les vœux à la nation du président de la République, la prise de serment qui s'est faite il n'y a pas longtemps, les conférences de presse, sans arrêt, inlassablement, louer le mérite de la diaspora, ce qui est très important, bien entendu, et je dirais même que c'est une première. Parce que vous savez que pendant longtemps, certains Guinéens ont été traités d'anti-Guinéens. Donc aujourd'hui, force est de constater que l'ambiance a changé à ce niveau-là. Mais nous déplorons fortement cette disparition-là, parce que nous considérons qu'un ministère plein, parce que le ministère précédent était un ministère délégué, un ministère plein avec une véritable autonomie d'action et de gestion, avec un budget de fonctionnement conséquent, ne pourra qu'appuyer et accompagner et impulser l'effort déjà fait par la diaspora guinéenne du monde, mais en particulier de France. Nous considérons aussi que aujourd'hui, vu la place prise par la diaspora, il est essentiel, je dirais même vital, que ce ministère acquiert une certaine autonomie. Vous le savez, ce ministère est rattaché au ministère des Affaires étrangères, dont le titulaire est quelqu'un que nous connaissons bien ici à Paris, Adja Bakale Kamara, qui, de manière générale, sur son temps en France, a quand même réussi à impulser un certain nombre de choses au niveau de la diaspora guinéenne. Elle n'est pas en cause dans mon propos, parce que je pense que ce n'est pas la ministre qui organise le schéma gouvernemental, mais nous considérons qu'il est absolument indispensable à ce niveau-là de pouvoir évoluer différemment. Nous avons eu comme excuse, ou tout au moins argument, le fait que, vous savez qu'il y a 31 membres au sein de l'équipe gouvernementale guinéenne, ministre à part entière. Nous avons appris que ça faisait partie aussi de contraintes des institutions internationales qui demandaient que le gouvernement soit resserré autour d'une équipe réduite et le nombre de 31 circulait. J'avoue que moi j'étais même à Conakry quand les tractations se faisaient et j'avais appris avant même que ce soit officiel qu'il y aurait 31 membres dans le gouvernement et qu'on privilégierait l'expertise, la technicité, la compétence. Je pense que si on regarde les membres du gouvernement guinéen, effectivement, il y a une expertise de la part d'un certain nombre, une compétence incontestable, mais on peut arriver sans élargir le nombre, on peut arriver à faire des espèces de regroupements. Je vous donne un exemple. Vous avez aujourd'hui le ministère chargé, le ministère de l'Agriculture. Je sais que l'agriculture, c'est important. C'est 75% de la population active guinéenne qui est dans ce milieu-là. Mais on a aussi le ministère de la production animale, qui est là
aussi est très importante. Puis, l'émissaire de la Terre des Guinéens de l'étranger, on l'a dit, est également important. Donc, on peut peut-être réfléchir à ça. Pourquoi ne pas penser à une association entre ces ministères-là? Et également, on a le ministère du Commerce à part et le ministère de l'Industrie et des PME. On a des pays en Afrique, même en Europe, où on a un ministère à la fois de l'Industrie, des PME et du Commerce. Et donc, si on s'engage vers le retour d'un ministère des Guinéens de l'étranger à part entière, eh bien, ce retour peut devoir impacter sur le nombre de 31 membres fixés d'après les informations que nous avons, mais probablement, c'est dommage, l'ambassadeur n'est pas là, il aurait pu peut-être confronter ce que je viens de dire avec ses connaissances et ce qu'il sait de cette affaire-là. Mais on peut garder le nombre de 31 membres de l'équipe gouvernementale en faisant ces rapports de ministère du Commerce et de celui des PME. Il y a aussi, comme vous le savez, le ministère de l'Environnement. L'environnement, c'est un domaine essentiel. Donc mon propos n'est pas de dire qu'il faut faire disparaître ces ministères-là. Mon propos, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de ministères qui peuvent être alliés à d'autres pour favoriser la possibilité d'existence d'un ministère des Guinéens de l'étranger. Eu égard à l'importance de ces Guinéens, dont je rappelle 5 millions estimés sur une population de 12 millions. Donc ces 5 millions de personnes méritent bien un ministère à part entière. C'est véritablement le propos. Je ne vais pas être très long là-dessus, parce que comme je vous l'ai dit, cette conférence a pour objectif de poser les cadres, les bases, et ensuite d'illustrer un certain nombre de choses par des cas concrets, et de permettre aussi que le débat puisse se faire. Mais je finirai sur un des domaines essentiels aussi de la contribution des Guinéens de la diaspora à l'effort d'émergence d'une Guinée nouvelle, au processus de redynamisation de notre pays. C'est la culture, les arts et la culture. La Guinée de tout temps a été un pays développé au niveau culturel. De nombreuses études ont été menées sur le bilan des années Sékou-Touré. Et ce qu'on retient généralement, c'est que sur ce plan positif, bien sûr, c'est que pendant cette période-là, la Guinée était l'un des pays phares au niveau culturel, j'ajouterais sportif, dans la sous-région et au-delà en Afrique tout entière. Et puis les années ont passé et de plus en plus la culture est devenue le parent pauvre du processus de développement de notre pays. Aujourd'hui, c'est un des ministères, je pense même s'il est au dernier rang, en termes d'affectation budgétaire dans le gouvernement actuel. Et évidemment, ici en Europe, particulièrement en France, il y a un vrai dynamisme culturel qui s'opère à travers des artistes guinéens qui contribuent au rayonnement de notre pays. Il est très important d'en tenir compte et de leur faire une place essentielle. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, le frère Ousmane Kouyaté et le frère Jean-Paul Curtis vont prendre la parole. Parce que, je le dis souvent, récemment, Barack Obama s'est rendu au studio DreamWorks. Vous savez, c'est des grands studios de production hollywoodiens. Il a tenu à rencontrer à la fois les producteurs de DreamWorks, il a tenu à rencontrer également les réalisateurs et les acteurs, et il leur a dit, vous êtes un élément essentiel de l'influence américaine dans le monde. Évidemment, je ne vais pas développer davantage, tout le monde connaît la force de frappe du cinéma américain. Il est essentiel, c'est le président des États-Unis qui va parler comme ça aux acteurs culturels. Il est essentiel que là aussi, il y ait une volonté politique très forte sur l'importance de la culture, sur l'importance du rayonnement culturel de notre pays à travers donc ces hommes et ces femmes qui se battent au quotidien pour donner une autre image de la Guinée. Et pour finir vraiment,
En restant toujours sur la culture, je pensais, on m'avait dit qu'il était en province, bien qu'il m'ait promis de passer. Nous donnerons la parole 2 minutes aussi, même plus, à M. Sansikara, qui est l'initiateur d'un projet qu'il est très important que la diaspora soutienne de manière très forte. C'est le projet Conakry, capitale mondiale du livre. C'est une première en Afrique francophone. C'est la première fois que la Guinée, donc un État de l'Afrique francophone, est promu pour 2017 comme capitale mondiale du livre. Et c'est grâce au travail et de Sansikara et de l'Armatan et d'un certain nombre de gens qui inlassablement se battent aussi pour promouvoir le livre en Guinée. Il faut que nous, Guinéens de la diaspora, nous appuyons cette initiative-là, parce que je suis sûr qu'ici, je suis certain même que peu de gens en ont entendu parler, et pourtant, nous avons une année qui nous reste avant l'échéance. Donc c'est avril 2017. Vous avez bien compris qu'avant avril 2017, il y a un certain nombre d'initiatives qu'il faudra mettre en place, à la fois en France, en Europe, dans le monde, mais aussi en Guinée. Donc Sansi pourra vous en dire davantage. Nous avons créé à ce propos un comité de pilotage qui est ouvert à tous ceux qui veulent participer à ce projet Conakry Capitale Mondiale du Livre. C'est un projet de l'UNESCO, hein. C'est un projet international. Les Guinéens des États-Unis commencent à se bouger là-dessus. Je crois qu'il est important que les Guinéens de France le fassent également. D'ailleurs, je vous apprends que j'ai accepté d'être ambassadeur de cette initiative et que j'aimerais que d'autres ambassadeurs et ambassadrices se joignent à moi, bien entendu, pour que nous montrions que les Guinéens de France, et ça c'est une réalité incontestable, nous sommes ceux qui, au sein de la diaspora, sont les plus scrutés, les plus regardés, les plus courtisés, parce que beaucoup de gens qui dirigent notre pays aujourd'hui viennent de France, et que, bien entendu, la Guinée est un pays francophone, la France est la capitale aussi de la Guinée, et donc ça nous donne une responsabilité supplémentaire. C'est pour cette raison que nous nous sommes permis d'organiser cette première étape des conférences de la COP sur le thème ô combien important de la diaspora. La diaspora, c'est nous, la diaspora, c'est l'avenir de la Guinée, c'est incontestable. Nous allons le voir à travers des actes concrets. Je vous remercie de votre attention. Je vais donc, évidemment, comme je l'ai annoncé, introduire le frère François Simon. Bonjour à tous. Merci Samuel, merci M. Yatik pour l'invitation. On m'a demandé de venir m'exprimer ici pour témoigner de mon parcours, et deuxièmement, parler bien sûr du projet que j'ai mûri il y a quelques années, projet de l'éducation en fait en ligne. Je vais donc commencer par parler de mon parcours. De faire ce projet, donc la jeunesse du projet, je vais finir en fait par une remarque conclusive sur trois messages à remonter. Alors, d'abord mon parcours, donc moi je suis François Sia, donc je suis le fils de la Cartina et de Teresa Andorska. Ma mère est polonaise, mon père est guinéen. Je suis né à Lomé, j'ai vécu 5 ans à Lomé, et ensuite je suis venu à Conakry. De 87, 88, à Lille, je suis resté à Conakry. J'habite en Guinée. Donc, j'ai fait mes études scolaires au lycée français à Perpignan. Et lorsque je suis arrivé en terminale, mon professeur d'histoire-géographie m'a dit oui, en fait, il existe quelque chose qui s'appelle des bourses de coopération qui sont données par l'ambassade de France. En tout cas, pour les deux. D'accord, je parle plus fort. Je vais demander aussi. De l'élève, tant qu'il est en France, dans des filières dites d'excellence. Je ne sais pas
arrivait dans le système français d'éducation, elles étaient déjà prêtes. Donc elles avaient le taux d'échec était quasiment nul. Et ces personnes étaient meilleures que, on va dire, un petit français qui a pris son baccalauréat en France ici. Donc c'est quand même très intéressant. Il n'y avait pas de sur ce système-là. Mais moi-même, bien, je n'étais pas issu du système guinéen qui aurait formé en fait, des personnes à ce type de filière. Donc, j'ai fini donc, j'ai été diplômé donc ingénieur. J'ai passé une année aussi à Londres, ça c'est un petit détail, c'était dans le cadre de mes études. Et j'ai décidé de faire commencer une thèse de doctorat en sciences physiques sur les accélérateurs laser plasma. Donc, j'ai fait aussi cette thèse les faire postuler, on va dire, aux 20 premières universités, par exemple,
qu'ils ont eu en Excellence Baptisée. Et ensuite, faire en sorte, et c'est là qu'il faut associer bien évidemment les autorités, faire en sorte que ces diasporas programmées reviennent ou restituent à l'INEF tout le savoir et le réseau qu'ils ont eu. Donc je vais finir avec ces trois points qui sont les conclusions de ce que je viens de dire. D'une part, je pense qu'il faut créer une filière d'excellence en l'INEF, c'est absolument nécessaire parce que c'est un cercle vertueux qui peut être enclenché par ce moyen-là. Quand je dis filière d'excellence, c'est plutôt une méthode vers l'excellence qu'il faut initier dans des esprits. Et le retentissement, le réjaillissement en fait, sur la société sera, à mon avis, sera considérable. Deuxième message, il faut le créer maintenant. Il faut à peu près 10 à 15 ans pour former une personne lorsqu'on commence à rendre à l'âge des garçons. Donc il faut le créer maintenant, pas attendre trop longtemps parce qu'on risque de passer encore une étape, une génération, et ce serait plutôt un certain gâchis. Enfin, troisième message, je pense qu'on n'a pas besoin tout de suite d'avoir des milliers de personnes, je pense qu'il en faut à peu près une centaine, quelques classes en fait, pour pouvoir initier ce cercle vertueux et ce programme en fait d'excellence. Donc, voilà en quelques mots, je suis bien sûr prêt à répondre à ce que vous remarquez, tout naturellement. Voilà en quelques mots la teneur de ce projet, ce que je voulais dire. Je pense que pour la phase 1 de ce projet, qui va consister à faire ce rapprochement en général à l'intérieur de l'école polytechnique, ou ensuite initier des classes d'excellence, c'est un projet que moi j'avais évalué à peu près à 20 000 euros. Ce n'est pas à rien voir, et pourtant c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences extrêmement heureuses pour la vie. Voilà, merci beaucoup. Merci François. François, une chose, 20 000 euros pour enclencher la phase 1 d'un projet qui va concerner une centaine de jeunes dans un processus d'excellence depuis, je crois, 3 ans. C'est ça ? Depuis 3 ans, ça n'a pas bougé. On parlait de paradoxe linéaire, ben c'est une illustration malheureusement de ce paradoxe-là. Nous allons donner la parole, merci François, à notre frère Touré, qui va venir nous rejoindre aussi ici pour illustrer l'importance d'un projet qui pour nous est essentiel, c'est le projet TOTEC. Merci beaucoup François. Je précise aussi que François a initié, bon, il n'a pas dit par modestie, un projet de viticole, un projet de viticulture en Guinée, au Fouta. C'est pas évident pour des raisons culturelles, mais voilà. Donc, si là aussi il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à lui poser des questions là-dessus. Et bientôt, nous aurons, je pense, le premier vin guinéen. Grâce à François. Je vous laisse la parole, M. Touré. Monsieur Dame, bonjour. Vous m'excusez, je suis terminé. J'espère que le mouvement de syndication que je vais donner comme message. Le problème de notre pays, le gros problème de notre pays, moi, je peux vous dire et vous garantir, parce que je viens de Conakry depuis seulement un mois, qu'il n'est pas économique. Vous arrivez à Conakry, il n'y a pas de grosse cylindrée au monde qui n'a pas plusieurs exemplaires qui roulent dans Conakry aujourd'hui. Je suis retourné après 10 ans d'absence. Je viens trouver un pays qui est en pleine ébullition économique. Il y a des bâtiments neufs partout. Vous avez des maisons qui existent aux États-Unis, qui sont répliquées en Guinée. Des maisons de la France ici qui sont répliquées en Guinée. Il y a de l'argent. On se demande où les gens vont le trouver. Il y a de l'argent en Guinée. Le vrai problème de notre pays est une question d'hommes qui gèrent le pays. L'exemple concret que j'ai vécu personnellement,
ce n'est pas dans l'administration générale, non. Parce que je suis allé dans une structure d'éducation, d'enseignement, dans une université. Il s'agit d'un centre universitaire. Il y a une différence entre centre universitaire et université, parce que le centre universitaire arrête son éducation au niveau de la licence. Mais la licence, c'est quand même pour moi un diplôme extrêmement intéressant. Parce que tout le temps que moi je suis resté, en tout cas au collège, j'étais enseigné par les licenciés. La majeure partie des intellectuels guinéens à l'époque avaient le niveau de la licence. On ne parlait pas du docteur parmi les guinéens qui enseignaient à l'époque dans ces écoles-là. Donc un licencié, c'est normalement quelqu'un qui a une somme de connaissances. Je vais vous parler de l'état des lieux de cette université. L'université compte plus de 5000 étudiants à Kinia, sur le site du Foulère. Figurez-vous que cette université n'a même pas de bibliothèque. Il y a là-dedans 4 facultés. Économie, sciences, divisé en 4 facultés. Dans aucune faculté, il n'y a une bibliothèque de ce nom. Il n'y a aucune connexion Internet. Pourtant, là-bas, il y a une unité flambant neuve qui a été emménagée, un bâtiment neuf. Il y a 21 ordinateurs flambant neufs qui attendent depuis 2 ans d'être mis en route. Cela n'a pas été fait parce qu'il s'agit de mettre simplement un pylône pour pouvoir recevoir les signaux. Tout le monde s'accorde de ça. Alors, donc, il n'y a absolument rien comme matériel didactique. Les gens n'ont pas un labo de chimie qui fonctionne sans laboratoire. Un département de chimie qui fonctionne sans labo. Donc, moi, l'opinion des gens qui disent que nous sommes en prise avec les problèmes économiques chez nous, je ne partage pas leur opinion. Nous sommes en prise avec nous-mêmes. Il faut une prise de conscience chez les Guinéens. Monsieur Sorel Keta a dit tout à l'heure, a parlé tout à l'heure de la situation des étudiants, de la diaspora. Le ministère qui disparaît à Paris. Mais nous, de la diaspora, nous sommes une force de 5 millions. Si nous organisons entre nous, nous sommes en harmonie. Nous avons le même objectif à poursuivre. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Pourquoi la diaspora n'a pas de représentation à l'Assemblée nationale là-bas? Pourquoi? Mais parce qu'on ne représente rien. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas suffisamment organisés. Les Guinéens sont incapables de s'entendre sur quelque chose. Ça, il faut qu'on le dise. Moi, je n'ai pas peur de vous le dire. Hein. Je vis en Guinée, j'ai vécu en Guinée, j'ai dirigé en Guinée. Je vis maintenant en Europe, je vois comment ça se passe. Quand il y en a un qui crée une organisation, l'autre se lève, il va créer une autre pour nous challenger. On est incapable de nous unir dans les mêmes organisations et poursuivre le même objectif. Ça, il faut se départir de cela. C'est la raison pour laquelle moi je veux conclure par quoi? J'étais en Guinée. Partout où je suis passé, l'on m'a parlé d'acteurs.
Chaque fois que je dis que je suis là en expert Toctel, partout où je suis passé, tout le monde m'a parlé d'Actod. Mais nous autres qui sommes là, donnons de l'importance à Actod, militons dans Actod, parce que Actod au moins a une notoriété chez nous. Mais pour que Actod puisse être considéré là-bas, il faut qu'Actod ait des projets concrets, des projets pertinents pour agir là-bas. Ça, je peux l'illustrer. Ici, en France, je suis actuellement président d'une ONG. Nous faisons de la dialyse en Guinée. Vous avez dû entendre parler du centre de dialyse de l'hôpital Lonka. Depuis l'an 2000, on agit dans ce cadre. Mais croyez-moi, on trouve les moyens à envoyer en Guinée pour soutenir cette action. La question de formation dont lui a parlé tout à l'heure. Nous, nous faisons de la formation. On est parvenu à créer une chaire de néphrologie justement à la faculté de médecine de l'Institut, là-bas. La chaire de néphrologie, il faut la financer. On a pris 9 étudiants. Et bien, on s'est arrangé à trouver le financement pour eux. Actuellement, moi, j'ai 2-3 demandes de subvention dont le montant global avoisine les 50 000 euros sur 3 ans. Alors, quand on paye pour trouver 20 000 euros pour mettre un projet aussi important que le vôtre en place, c'est parce que, peut-être, à côté de cela, on n'est pas suffisamment organisé. Voilà. Merci. Donc, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, okay. Le temps de vous merci beaucoup, M. Touré. Merci de vous avoir là. On va enchaîner, parce qu'on a quelques personnes qui doivent demander aux gens, malheureusement, excusez-vous, mais d'être bref. C'est dommage, parce qu'on passe sur le temps de la culture. Donc, on va demander à M. Ousmane Piaté de venir nous rejoindre ici. Ensuite, M. Jean-Paul Petit se prépare. J'ai oublié de vous présenter le frère Mohamed David Keïta, qui est un des rares guinéens qui a été à l'Opéra de Paris et à l'Opéra en Italie, c'est ça? Et danseur chorégraphe, un des meilleurs en Europe, qui est guinéen. Donc, c'est l'idée aussi du rayonnement culturel, c'est d'abord connaître nos artistes qui tournent dans le monde entier et leur rendre hommage. Donc Ousmane, tu as la parole, excuse-moi, parce que malheureusement, on va demander aux gens d'intervenir dans le débat, donc on va réduire ton temps de parole. Tu auras 2 minutes, je sais que c'est peu pour un grand artiste comme toi, mais je te donne la parole pour 2 minutes, je salue la présence d'Iblous qui est parmi nous aussi. Le président Ahmed Sékou Touré, qui,
grand promoteur de cette culture à Guinée. Ça a été tout de suite causé par ce président. Parce que c'est une réalité, une vérité tangible. Avec une connotation africaine,
que je fais prévaloir en ayant déposé des dossiers, notamment un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment, où j'ai des projets, et en Guinée également. En ce qui concerne la Guinée, il est extrêmement difficile de travailler. Je dois avouer effectivement que mon prédécesseur a expliqué qu'il est arrivé en Guinée pour travailler et qu'il y est resté 2 mois. Eh bien, moi, je devais être certainement fou parce que je suis resté 10 ans en Guinée. Et j'ai monté une entreprise sur place. Je peux vous dire pour rien du tout. Simplement pourquoi? Parce qu'il suffit d'être diaspora pour ne pas être aimé par ses propres pairs. C'est extrêmement difficile à reconnaître, mais c'est comme ça. Vous devenez le propre ennemi de votre famille, vous devenez l'ennemi de vos propres amis. Simplement pourquoi? Parce que vous arrivez de France avec une compétence et peut-être avec un langage qu'eux, ils n'ont pas. Je trouve ça bien dommage. Mais si c'était à refaire, je repartirais en Guinée, croyez-le. Je suis absolument certain, effectivement, qu'il est important aujourd'hui de promouvoir cette culture en Guinée. Hein. Nous avons justement parlé de cela tout à l'heure. Il va falloir effectivement se donner la main et beaucoup plus de courage que ça, parce qu'il n'en faut pas plus que ça en arrivant en Guinée pour se faire décourager. Il suffit simplement, effectivement, d'arriver avec son bagage pour qu'on vous dise de reprendre l'avion, parce qu'on vous demande quand est-ce que vous repartez. Alors, c'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas vacant et vous n'êtes pas têtu, il est évident à ce moment-là que vous risquez vous marchez sur une boule banane. C'est ce qui m'est arrivé pendant 2 ans. Mais j'ai quand même tenu le coup. Je suis revenu en France simplement pour parfaire mes compétences parce qu'il n'y a strictement rien sur place pour vous permettre d'avancer. Voilà. Hein, ni logiciel, trafic, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai au moins la chance effectivement d'être en France pour avoir pu effectivement au moins faire des études et me préparer à repartir sur le terrain si le cas était possible. Alors, évidemment, il faut pour ça inviter les autorités du pays, comme le disait l'ambassadeur, justement, à donner du meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir tendre la main. Je suis désolé d'apprendre, effectivement, que le ministère des Relations avec les Guinéens de l'étranger a été supprimé, parce que, effectivement, s'il a été supprimé, il y a une bonne raison. Simplement pourquoi? Parce que c'est monsieur le ministre, justement, de ces départements-là, nom de raison. Que de mettre l'argent dans leur poche plutôt que de faire la relation entre les Guinéens et l'étranger et leur propre pays. On se demande ce que devient effectivement, quelle est l'importance du potentiel Guinéen à l'étranger lorsque ceux qui s'en occupent en Guinée n'en ont rien à battre. Alors je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Mon projet est toujours en Guinée, il attend et j'espère que quelqu'un me répondra. De toutes les façons, l'ambassadeur s'y est prêté. Mais je suis bien certain, effectivement, qu'il va falloir que je m'adresse à d'autres pays africains. Je suis bien désolé en tant que guinéen. Voilà mon témoignage. Merci. Merci, M. Paul. Je crois que c'est ça, parce qu'il y a des tournois qui sont supprimés du ministère. On en parlera dans le débat. Les deux dernières personnes, et ça sera d'abord pareil, pardon, dans le débat. Donc, il y a, avant que Sansi nous présente le projet rapidement, c'est M. Pierre-Jean, qui est un Guinéen d'adoption, qui va présenter rapidement, peut-être. Ça marche pas? Très bien. Donc, il y a un projet en direction de la Guinée, qui est un projet qui a contraint un plus considérable et qui, pour l'instant, traîne un peu. Voilà. Donc, on a vraiment besoin, c'est les derniers témoignages de nos amis, de donner un grand coup de boost, et c'est à nous de le faire, parce que nous sommes libres et indépendants ici en France. Pour faire en sorte que les choses bougent davantage dans notre pays. Sansi, s'il te plaît, viens me rejoindre ici pour nous présenter l'importance de ce projet et ce que tu attends de la diaspora guinéenne de France. Vous remercier de l'opportunité pour moi.
moi, c'est une aubaine de m'adresser à la diaspora, à des femmes, à des hommes qui pensent à notre continent, à notre pays. Vous savez, ce pays a été construit et on ne peut rien faire sans l'éducation. Et l'outil fondamental de cette éducation, c'est le livre. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser autour de cette action, autour de ce projet Conakry Capitale Mondiale du Livre. Beaucoup se posent la question pourquoi Conakry a été désigné par l'UNESCO Capitale Mondiale du Livre. À Conakry, il n'y a pas d'espace de lecture, il n'y a pas de médiathèque. C'est clair, le grand frère l'a dit dans les universités, c'est triste, il n'y a pas d'espace de lecture. Et au 21e siècle encore, on continue à construire des écoles sans prévoir l'espace de lecture. Mais Conakry est capitale mondiale du livre pour qu'on puisse vraiment les outils difficultés. Ceux qui souhaitent développer le sport, notamment le football, demain la Coupe du Monde, la Coupe européenne ou la Coupe d'Afrique, pour créer des stades, des espaces. Nous, on veut développer le livre. Vous savez, Ouagadougou est aujourd'hui capitale africaine du cinéma parce que les Burkinabés l'ont voulu. La photo pour Bamako, Dakar pour l'art contemporain. Niamey, de plus en plus, je ne sais pas si notre frère va me contredire, prendre la dimension autour de la mode, la Côte d'Ivoire avec Abidjan, la musique et tout ce qui s'ensuit. Nous, depuis 8 ans, nous nous sommes dit que c'est possible de faire de Conakry la plateforme du livre en Afrique. 2000 visiteurs aujourd'hui, notre salon accueille 50 000 visiteurs. Parce que les Guinéens ont soif de lire, ont soif de lecture, parce qu'ils n'ont rien qu'ils ne lisent pas. Tous les Guinéens qui se marient disent qu'ils souhaitent vraiment acheter une bibliothèque. Mais dans cette bibliothèque, c'est les anciennes billets fourchettes, ou un écran plat à l'intérieur. Un enfant qui naît dans cette condition ne peut pas avoir le goût de la lecture. Dans les cours communes à Conakry, il n'y a pas de livres. Dans les quartiers, il n'y en a pas. Donc on a demandé Capitale Mondiale du Livre parce qu'on a envie de contribuer au développement de notre nation, de notre public. Et comme je l'ai dit au départ, je prie à reconstruire. C'est triste que la gestion, la gouvernance ne soit pas efficace parce que les hommes ne sont pas formés. Vous allez dans les écoles, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il y a des difficultés même pour s'asseoir, pour étudier. Il n'y a pas de lumière. Les jeunes sont obligés d'aller jusqu'à l'aéroport étudier. Donc, nous devons tous nous mobiliser. Je suis sûr, si on donne la place nécessaire à la culture, la place nécessaire à l'éducation, c'est le pays qui peut s'en sortir. Et sans cela, qu'une équipe de professionnels du livre, parce que le projet a été conduit par les professionnels du livre, nous nous sommes battus pour que Conakry devienne capitale mondiale du livre en 2017. C'est quoi Conakry capitale mondiale du livre en 2017? C'est la création d'espace de lecture à Conakry. C'est la création d'une bibliothèque nationale. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes au niveau 3 et d'ici la fin de l'année 2016, cette bibliothèque sera complètement construite. Conakry 2017, c'est les salons du livre. Les salons du livre jeunesse, les salons du livre sur des thèmes spécialisés. Conakry 2017, c'est beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma. Nous sommes en train de licencier des films, tirer d'ouvrages pour faire dans nos quartiers des projections, pour permettre aux clients de vraiment de suivre des films, parce qu'aujourd'hui, il y a même pas de salle de cinéma à Conakry. Conakry 2017,
C'est aussi des grands militaires. Vous savez que l'Aïkama est chez nous. On souhaite lancer à l'occasion de cet événement le grand prix du roman africain doté de lui, l'Aïkama. Qu'on a pu le dire, c'est aussi un grand hommage à tous ces grands écrivains, William Sassi, Dibine Tarsina, Alain Fantoué, Jean-Paul Nembo, qui vit aujourd'hui à Conakry, et faire en sorte que le reste de l'Aïe Kamara puisse être à Conakry ou à Kourouza. C'est extrêmement important pour nous. Conakry 2017, c'est la création d'espaces d'alphabétisation qui donne toute la place nécessaire, disons, à nos langues locales. Le Kula, le Marité, le Soussou, le Gazi, et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on vous propose. Mais pour organiser cette activité, nous avons besoin des mécènes, des Guinéens d'ailleurs, d'Amérique, d'Europe, d'un peu partout. Parce que le gouvernement ne perçoit pas la pertinence aujourd'hui de cette action. Quelqu'un parlait tout de suite du budget du ministère de la Culture. Je suis venu deux ou trois fois avec les autorités de la culture ici en France, à l'UNESCO. Ils ont pu faire le budget 2016 sans prévoir aucun sou pour cette activité. Chaque année de 8 ans, on est au Salon du Livre de Paris. On s'est toujours battu pour les professionnels du livre. Nous avons demandé cette année au gouvernement guinéen de jouer sa partition en octroyant un espace suffisant pour qu'on ait 2017. On n'a pas pu l'obtenir. Ça veut dire encore une fois qu'on ne perçoit pas la pertinence. Ce qui nous arrive, certains diront, que peut-être il fallait donner ce label à Dakar ou à Abidjan. Mais c'est encore un truc qu'il faut. Donc je voudrais sincèrement terminer en vous disant, c'est à nous de faire ce travail. C'est à nous de nous mobiliser. Si nous nous mobilisons, ces gens-là vont nous suivre. C'est pourquoi nous ne sommes pas restés à Conakry. Nous sommes venus à Paris présenter nos nouveautés, prendre les contacts nécessaires, mobiliser la diaspora, mobiliser les partenaires et démontrer à nos autorités qu'on a décidé, nous les Guinéens, nous les citoyens guinéens, pour que Conakry soit dans 10 ans, dans 20 ans, la plateforme du libre en Afrique. En tout cas, c'est ça notre vision. Donc Conakry 2017, c'est une étape de ce grand projet de faire de Conakry capitale africaine du livre. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, nous demandons soutien et mobilisation. Aujourd'hui, l'UNESCO a décidé d'octroyer 2 millions de livres par année. Beaucoup de maisons d'édition ici en France ont décidé de donner plusieurs conteneurs de livres par année. Mais où nous allons mettre ces livres? C'est pourquoi, pour la diaspora, nous demandons votre appui. Par des entreprises que vous connaissez, par des mécènes que vous connaissez, par des sponsors que vous pouvez mobiliser pour qu'on puisse non seulement mettre ces points de lecture à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Ce pays a besoin de nourriture, mais de nourriture d'esprit. C'est extrêmement important. Un pays, c'est la connaissance, c'est la réflexion. On n'arrive pas aujourd'hui à réfléchir dans notre pays parce qu'on n'a pas d'espace de réflexion. Dans nos universités, les étudiants ne présentent pas de mémoire. C'est ça la vérité. Donc, nous devons tous nous mobiliser. Encore une fois, merci à Sorel, qui est ambassadeur de cette opération. Et d'autres ambassadeurs vont être sélectionnés en France pour faire ce travail. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sassi. J'ai bien senti que l'accord était évidemment, mais aussi la CAGM, parce que je suis président d'honneur, donc les amis, j'ai parlé en votre nom, pour accompagner ce projet-là. C'est 2000 euros, Sansi l'a pas dit, il faut 2000 euros pour mettre en place un point de lecture. Ça, c'est sous l'égide de l'ARPATAN également.
Donc moi, je me suis engagé à le faire au nom, pas de l'ACOP, monsieur le président, n'ayez crainte, mais je crois qu'il faudrait que l'ACOP puisse le faire aussi. Je l'ai fait au nom d'une association de Rio Nunez, vous voyez, une petite association. Mais j'ai pris cet engagement à mon nom propre et au nom de cette association, parce que je pense que si chacun de nous arrive à mettre en place, nous les gens de la diaspora, au sein de nos associations, un point de lecture, c'est énorme. Un point de lecture, c'est des livres, mais c'est aussi deux animateurs qui, pendant toute une année, vont animer cet espace-là. Et ça coûte que 2000 euros. Donc je pense, je vous relance cet appel à vous, les sœurs et les frères de la diaspora, pour que nous, on leur donne des leçons à Conakry, on leur montre, comme l'a dit le frère Touré, que ce n'est pas qu'une question d'argent ou d'économie, c'est une question de volonté politique, de volonté de faire, d'envie de faire aussi, et de conscience de l'intérêt général, de l'intérêt de notre pays. Je m'excuse, le directeur du cabinet du gouvernement de la ville de Conakry est arrivé ce matin, je lui ai proposé de venir avec moi, mais si vous voulez, chérif, parce que c'est la ville que vous voulez, il va rester quelques jours avec moi pour travailler sur un certain nombre de rendez-vous. Vraiment les défendre au Conakry. Je vous remercie. Voilà, merci. Bon, on va remercier M. Chéri, bienvenue, et puis nos félicitations et salutations au frère et ami Mathurin Rangoura. On espère qu'avec lui, il y aurait un développement plus fort et harmonieux des activités culturelles, notamment, mais aussi de la place de la Guinée dans son rayonnement international. On va ouvrir le débat. Excusez-nous, nous avons estimé vraiment important d'illustrer les propos par ces cas précis que vous avez entendus. Je pense que c'est une bonne et belle première de faire en sorte que bon, des gens puissent illustrer des choses concrètement. Donc maintenant, vous avez la parole. Pardon, monsieur le président. Bon, je me prends la parole juste pour faire un petit commentaire. Par rapport à Guinée, du livre en 2017. J'avais rencontré Sansi à son dernier passage et on en avait un peu parlé. Le problème qui se pose, je pense, dans notre pays, c'est la communication. Une organisation comme l'ACOG, je l'ai dit, et j'ai fait un peu de reproche par rapport à ça, je pense que l'ACOG, quoi qu'on dise, même si on a la faiblesse de moins communiquer sur nos actions, je pense que l'ACOG doit être prise en considération pour des actions de ce type. Alors moi j'ai demandé à Sansi Kaba de nous intégrer dans ce système-là. Bon, je me dis ici, je n'ai pas de retour par rapport à ça. Je me suis dit, ça ne va pas nous empêcher de travailler ici sur Paris pour faire ça. Mais c'est en fait une maladie dans notre pays, on l'a dit tout à l'heure. Je crois qu'on ne veut pas, on ne respecte pas les valeurs culturelles, les valeurs intellectuelles. C'est presque comme un crime d'avoir étudié. Et c'est ça qui est dommage. Merci, monsieur le président. Bon, Sansi est là, c'est un meilleur exemple qu'il y a avec nous. Donc, je vais vous laisser la parole. On va prendre les inscrits. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas être trop long dans vos interventions parce qu'on est pris par des contraintes d'horaire. Je salue monsieur Gassama, notre frère et ami, grâce à qui nous sommes là ici, que nous remercions infiniment. Vous avez la parole, ceux qui veulent la prendre. Je prends 5 inscrits, monsieur Pierre-Jean. Monsieur Tierno, donc Pierre-Jean Tierno, qui c'est qui s'inscrit également? Monsieur Cheikh Keta, merci d'être là parce que je sais que vous étiez à l'étranger. Docteur Dja, merci madame la femme de l'année. Et le frère. Bon, c'est bon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 inscrits. Pierre-Jean. Essayez de ne pas dépasser 2 minutes, s'il vous plaît, dans vos propos. Bonjour à tous. Donc c'est juste pour vous expliquer rapidement, en fait, on avait voulu vous faire une petite démonstration dans la question pour répondre à la problématique qu'a posée donc soirée au début de cette exposé. On a développé aujourd'hui un outil de recensement des Guinéens étrangers. Une plateforme qui permet aussi de pouvoir faire des
relancer ce projet qui a été signé donc, avec le ministère des Guinées et de l'étranger et malheureusement qui a disparu, donc il va falloir relancer tout ça. Donc on va voir comment on va mettre tout ça en place et, pour pouvoir démarrer enfin ce projet qui ne coûte rien à quitter. Parce que j'ai trouvé une solution qui permet de ne pas avoir besoin de financement. Voilà, donc on n'en discute pas et malheureusement j'ai pas pu faire de démonstration. Mais ce sera pour dans les prochaines semaines, je pense. Merci voilà. Beaucoup Pierre-Jean. Je vous précise que Pierre-Jean est guinéen d'adoption, puisque son épouse est guinéenne. Et c'est pour ça qu'il dit que le projet ne coûte rien à la Guinée, c'est la part de sa dot, justement. Merci. Pierre-Jean Camara. Dans le papier, c'est important ce que je dis, c'est
politique, que c'est beaucoup connu. Et il y avait quelqu'un aussi qui est là aussi, c'est Mohamed Bangal, qui avait fait un balance, qui nous a aidé sur tout ce qui concerne le volet artistique, communication, ça aussi, symboliquement, sans rien demander. Donc c'est pour dire que ce ministère-là, il faut que nous continuions pour lui donner vraiment du contenu. Et donc s'il y a des choses à faire, il faut qu'on essaye de voir d'accord, qu'est-ce qu'on met en place par rapport à tout ça, comment capitaliser tout ce que nous ferons en termes de débat de la compétition. Voilà, voilà ce que c'est. Merci beaucoup Tiernon, j'en profite pour saluer, c'est vrai, le frère Vance, qui a été un des plus grands animateurs culturels guinéens. Merci Vance d'être là, qui vit aujourd'hui en France. Le prochain sur la liste, c'est Cheikh Pipa, monsieur Cheikh Pipa. Bonsoir, merci bien. On a dit qu'on allait donner 7 millions de diaspora en Europe. 5 millions. Ça, c'est très intéressant. Et pour les livres, pour les rapides, je pense que c'est ainsi. Vous savez, nous avons une fonction de promotion des investissements en Afrique et en Guinée, avec les meilleurs investissements en Afrique. Je suis rentré tout d'abord de l'aide, nous avons travaillé, je l'assume ici, j'ai fondé Guinée, que j'ai réussi à lever 160 millions de dollars pour la Guinée, avec l'accord avec un fonds d'investissement indien. Pour travailler sur le projet, livre, dès demain, la Cité Graphique de Donc va lancer une initiative sur notre plateforme. 1 euro, un livre pour la Guinée, pour essayer de vous aider. Donc ça, c'est une citation complète. On va pouvoir vous aider dans ce sens. La deuxième chose que je voulais dire, M. François, j'ai bien écouté, qui a bénéficié de bourse de la coopération française. Et donc, c'est très intéressant de transmettre aux autres ce que vous avez reçu. Donc, je pense qu'on peut, pour la culture de l'excellence, ici et là-bas, on peut penser aux diasporas présents ici, puisque nous avons aussi des enfants qui vivent ici, réfléchir comment on pourrait insérer ces enfants dans cette stratégie, pour choisir les enfants déjà ici, pour commencer à construire l'excellence ici, pour les intégrer dans cette proposition que vous faites. Si on pouvait réfléchir, on pourrait y partager. Troisièmement, pour finir, le patron, j'ai bien écouté votre idée sur la problématique des universités réguliers. Vous êtes un citoyen libre, je pense qu'il faut avoir la capacité de faire une lettre ouverte. Quand on découvre des choses comme ça, c'est quand même surprenant pour un pays qui est en train d'émerger, qui est en train d'avancer. Nous vivons aujourd'hui la démocratie et nous avons force de parole, force de vision et force de proposition. Donc, vous pouvez écrire, faire des lettres ouvertes pour que ça sache. Et pour finir, ce que je voudrais proposer, vous allez faire une proposition à Tom et à vous-même, les universités françaises sont ouvertes pour des propositions. On peut mettre en place des synergies avec les universités françaises à la dimension de nos universités pour nous aider, pour avancer, pour solutionner les problèmes. Merci à tous. Merci beaucoup, et on retient la proposition pour le Conakry Capital Mondial du Livre. La prochaine sur la liste est Dr. Dja. Dr. s'il te plaît. Dr. Dja. Ensuite, c'est Abou Fofana qui est inscrit. Et enfin, excusez-moi, parce que le tour quand même, ça sera complexe ici. Donné à la
on a même fait ce qu'on fait pour nous. Donc, on, et lui, il a mis le point clé. Nous sommes diaspora, c'est vrai. Mais comment aider? Parce que déjà, quand tu viens aider quelqu'un, il faut qu'il t'accueille. Il faut qu'il t'accepte. Il a mis le point dessus parce que moi, c'est ça le problème. Moi, je viens depuis 89 tous les ans en Guinée. J'ai investi en Guinée, à titre personnel. Mais voilà, pour aider mon pays, au lieu d'investir ici, faire des choses, je préfère le faire chez moi. Parce que si moi je n'en profite pas, en tout cas, ça va, mon pays va en profiter. Ce qu'il a dit est vrai, dès que tu es dans ce chemin-là, tu deviens l'ennemi des gens. Au lieu de t'aider, au lieu de t'épauler, au lieu de t'applaudir, non, c'est le contraire. Donc, ce qu'il a dit, c'est pour ça que je me mets à côté de lui. Parce que je ne suis pas la seule à passer la même chose. Une autre, deux fois, là, je viens de couper la Guinée. Une autre fois, j'avais des laboratoires pharmaceutiques qui voulaient venir en Guinée pour la PTE. C'est-à-dire, voilà, s'occuper des mères enceintes pour qu'elles ne contaminent pas les enfants. Les labos étaient prêts à financer. Et j'avais le ministre de l'époque, est un parent, moi, j'ai un parent en pédiatrie, j'ai un parent à la maternité, j'ai un promotionnel, je savais service à la maternité, j'ai pas également les autres dames, les autres pays sont chez eux, ils ont les médicaments, tout ce qu'il faut pour la prévention du VIH. Donc c'est un problème. Et là, je viens de quitter, on était à Brunch. J'ai voyagé avec la première dame de l'avion, donc qui a demandé de prendre mes coordonnées, effectivement, qui m'a gentiment invité à l'Institut de son avion. Mais impossible de venir discuter avec elle, parce qu'elle a demandé à des gens de donner un rendez-vous qui était contre, évidemment, parce qu'ils ne voulaient pas que je la prenne, parce que j'ai dit, je voulais qu'on crée un centre de dépistage à Conakry pour la prévention, un centre de dépistage de prévention pour le VIH et les autres maladies virales. Ben, j'ai fait 6 semaines, je n'ai pas eu de. Donc c'est ça. Et là-bas, j'ai été au congrès à la réunion de ma mère, mais comment elle s'appelle la femme du congrès, Mariette, avait demandé que j'ai été venue à me rencontrer parce qu'il y avait d'autres médecins qui étaient impossible de la rencontrer. Vous voulez qu'on vous aide comment? Qu'on les aide comment? Moi, c'est ça ma question. On est prêts pour eux, on est prêts pour tout le monde, c'est notre pays, on est obligé. On ambitionne que notre pays devienne populaire, nous autres, qu'il soit même mieux que ça. Mais voilà, c'est la félicitation. Si on veut amener les livres, ça posera plus de problème. Mais voilà, M. Kati, elle est témoigné. J'ai pris le candidat, il est venu chercher, je ne sais même pas ce que c'est devenu. Et c'est des livres que j'ai achetés cher, pour faire ma médecine ici. Je ne voulais pas les laisser puisque j'avais plus besoin. J'ai fait la cantine à l'époque où je partais à la gueule. Il y a longtemps, je ne viens plus. Et je l'ai expliqué, je veux que ça serve à faire une médecine. L'appareil, la consultation, le tableau, tout neuf. Il n'a jamais été utilisé. Je ne sais pas si ça s'est fait de vous. Et donc, parce qu'on veut bien, moi, je veux que j'aimerais bien qu'on sache comment faire, comment être accueilli s'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée, s'ils ne sont pas représentés. Ce n'est pas une ambition pour nous. Au gouvernement, comme le ministère qu'on a annulé, c'est pas normal. Il faut qu'on ait un point de chute au niveau des autorités, pour qu'on puisse quand même, que notre aide puisse aboutir, que nous puissions aussi nous faire entendre. Ok, bien, merci beaucoup, docteur. Tu veux parler avant de campagne?
ça? Je dis que c'est ça. Non, mais ceux qui veulent parler, ils lèvent la main. C'est à vous. Ah, oui, pardon. Donc, je ne l'ai pas vu. Donc, j'ai entendu pour le présenter. C'est notre frère et ami Luis Duarte, qui est africain, qui n'a pas fini ses origines. Mais il a de multiples origines, Sénégal, Cap-Vert, un peu même la Guinée. Par ailleurs, il a une particularité sur Sarcelles. Vous savez que c'est la ville où il y a le plus de Guinéens quasiment en France, en dehors de Paris. Forte communauté, c'est un de ceux qui agit pour le lien, la solidarité entre les communautés africaines de Sarcelles. Et accessoirement, c'est pas accessoire, mais je dis accessoirement parce qu'il existe pour lui-même, c'est le père de Snoopy Doxy. Vous savez, le rappeur, l'un des premiers rappeurs français. À vous, Fofana. Oui. Alors, il y a un constat, c'est un constat d'un pays. La diaspora, on souffre d'une conception qui remonte à très loin, depuis la première république. La diaspora, c'était quoi? C'était tout ce qui avait été décrit, qui était parti, qui était vu plutôt comme des anti-guinéens, des comploteurs, tout ce que vous voulez. Cette mentalité demeure encore de nos jours, elle se conscient des gens. Il faut qu'on arrive. Le ministère chargé des Guinéens de l'Excédent ou de la diaspora, ça fait deux décennies à peu près que ça existe. Dans les livres, sur le monde de la mort jusqu'à l'année. Si nous devions faire le bilan des acquis de ces différents ministères, il y aurait très peu de choses à dire. Je pense que nous devons passer du stade d'attendre qu'on nous intègre à la reconquête de notre citoyenneté. J'entends par là, il faut que la diaspora puisse être prise en compte au niveau politique. Et ça, c'est comment? Il y a des pays que nous attendons maintenant, des pays comme l'Afrique, le Sénégal, le Mali, où la diaspora a une représentation au niveau politique, au niveau du Parlement. Pourquoi ça ne serait pas possible à l'idée? C'est une question qui a été posée depuis longtemps. Mais apparemment, ça n'arrange pas beaucoup de gens. Il faut cette reconquête politique, parce que nous sommes là pour l'instant dans une situation où on est en train de faire appel. On le prenne en considération, mais ça met du temps. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que la diaspora, sur un plan purement économique, est un soutien non négligeable aux populations. C'est grâce à cette diaspora que la plupart des gens vivent, survivent, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, mais cela dure depuis des décennies. Ce n'est pas ça qui développe un pays. Pour que nous ayons un impact économique sur le développement de la Guinée, sur la voie de l'émergence, comme on chante depuis quelques mois, il faudrait que nous puissions passer de ce rôle de soutien économique à un rôle d'acteur économique. J'entends par là, devenir acteur économique, c'est. On a demandé à l'époque des choses, comme par exemple un ministère, une banque de l'habitat. Parce que nous ne nous cachons pas, l'habitat est un réel problème, c'est ça qui bloque beaucoup de gens. Beaucoup d'entre nous ici allons faire l'expérience amère, quand vous commencez à construire, ça dure une décennie. Parce que vous ne pouvez faire confiance en personne, il faut que vous soyez à votre place pour faire avancer les choses. Il y a une banque de l'habitat, il y a une banque de l'investissement, c'est-à-dire que les membres de la diaspora puissent être repreneurs ou investisseurs dans de nouvelles activités. Ça, ça fait aussi un moment que ça va être des emplois. Donc, ce qu'il y a, il y a ces deux aspects. Mais le plus important pour moi demeure l'aspect politique. Merci bien. Merci beaucoup à vous. Il y a Luis, excuse-moi, Campbell, on me signale que Luis, roi des laisses, hein, Luis Duarte va prendre la parole. En plus, vous êtes tous les deux à Sarcelles. D'abord, je voudrais remercier les techniques, un peuple qui ont fourni moi, mon cœur, pour apporter la paix au Cap-Vert pour son indépendance. Donc, je trouve que c'est ce que vous devez, moi j'ai essayé de faire. Une fois que je suis arrivé, j'avais 16 ans, et je suis passé par l'État de l'Aquil du coup, et je suis passé à la frontière, on les a vus pour une réunion clandestine, pour porter sa garde, et je dis que j'aime énormément. Et je ne peux pas passer là-dessus pour vous dire toujours merci, parce que la Guinée 1100, c'est
1960, le Cap-Vert avec une épisode de 1975, c'est-à-dire 15 ans après, et que l'Avenue nous a apporté un soutien infini. Voilà. Je veux dire là-dessus, un homme avec une sensibilité, on ne va pas passer là-dessus. Là, je veux revenir sur des points importants. Tout à l'heure, monsieur a parlé des représentants de la famille. Vous savez au Cap-Vert comment ça s'est passé? On a mis de la pression au Cap-Vert, à Boston, au Portugal, en Londres. Vous avez un comité capitaine à Rotterdam, nous avons fait des réunions, nous avons participé à des réunions pour qu'un jour, les Cubains et la légitimité au Cap-Vert, en réponse, on le trouve, on veut la démocratie. On vous dit merci, on vous dit merci des fois, vous avez aidé à dire vraiment, mais non, nous, le Cap-Vert, nous, c'est égal, on a une chance énorme d'avoir côtoyé tous les peuples du monde. Et moi, je faisais un quartier où j'avais j'ai grandi. Hein. Et là, je vous dire qu'on a appris énormément de choses. Et pour ce soir. Voilà. Avec tous les communs du monde, et d'abord le monde, il faut des réseaux. Ma chose, c'est des réseaux. Créez vos réseaux pour transmettre à vos enfants et leur dire, c'est fini les ennemis. On est en Afrique, on est autour de l'Union africaine, nous vivons encore en France, aux États-Unis. Nous sommes maintenant tous dans l'Union africaine. Nous avons bougé pour l'obéir à l'Afrique. Voilà. Et ça, il faut dire à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est on le dit, c'est vraiment le même message. Après, il y a d'autres. Chacun va sur les noms. Chacun, il faut additionner les idées. On n'a pas sur les noms, mais allez avec la rencontre pour nos enfants. Et aujourd'hui, c'est tout projet, comme vous dire comme ici, éduqué pour la Guinée. La Guinée est un grand peuple. Quand vous êtes aujourd'hui aux États-Unis, vous allez à New York, la communauté guinéenne, la communauté capitaine à Boston, en Europe, je pense qu'on peut en tirer beaucoup de choses. Mais je pense à mon ami, Mohamed Fofana, qui a été maire adjoint à Sarcelles, à sécurité. Aujourd'hui, tout à l'heure j'ai dit, on va à la réunion. C'est comme un frère pour moi, avec ma famille politique. Au moment où on commence à parler pour les autres. Je parle à ça. Vous avez des grandes militantes guinéennes à Sarcelles, et dans le monde. Hein, il faut les attirer. Il ne faut pas qu'on chacun de notre coin comme ça. Il faut les autres. Faire une fusion d'idées. Aller au débat. Aller au débat. Et faire pression à l'Afrique pour nos enfants de demain. Hein, et un projet pour l'Afrique. Et je suis sûr que l'Afrique avance. Je vous remercie. Ok, merci. Je ne sais pas si c'est un de nos frères aussi qui se parle inlassablement. Vous avez la parole, monsieur Cissé. Merci Soren, merci à mon frère Avocati. Donc je suis complexe ici. D'abord, je salue la présence de mon ami Louis, merci beaucoup. Il est à Sarcelles, moi mon bureau se trouve à Sarcelles. Donc je suis impliqué dans l'organisation de la communauté également africaine à Sarcelles là-bas. Je suis d'autant plus content de le voir ici que à chaque fois que je suis allé voir M. le maire, solliciter les salles de fête, l'Anglais est venu soutenir ma demande. Donc il m'a toujours soutenu et il a toujours participé à nos organisations. Merci pour ta présence, mon cher ami. Je suis sincèrement, je peux dire, triste pour notre communauté. Je m'explique. Ça fait des années, je peux dire que ça fait bientôt 40 ans que nous tenons ce type de raccord. Ça vient d'être rappelé ici, à TOC. Seulement, ça fait bientôt 30 ans. Il y a eu d'autres interdictions. Le BLAG, le Bureau de liaison des associations guinéennes de France, entre autres. J'aimerais sincèrement, à la sortie de cette conférence, qu'il y ait des résolutions. Que ça puisse servir à quelque chose, encore une fois, quelque chose de concret. Pas seulement qui consiste à rendre compte à notre communauté en disant voilà, ce samedi, nous avons tenu une réunion, mais qu'on dise à notre communauté, à la fois la communauté guinéenne et les Africains qui nous suivent, comme mon ami Louise, voilà ce qui est sorti de cette rencontre, parce que ça peut donner demain. Et je pense que très sincèrement que les organisateurs réfléchissent sur cela. Je salue l'ACTOC, j'en suis membre,
Et ça a été dit ici, l'un des membres de l'accord dirige aujourd'hui la Guinée. Mais le problème de l'accord, ça ne se passe pas ici en France. Le problème de l'accord, c'est là-bas, en Guinée, puisque l'accord n'a jamais eu de soutien politique et matériel pour l'aider à concrétiser ses actions. Malgré le cocktail, malgré tout le travail considérable de l'accord fait. Je me rappelle lorsque le frère Mali Doussouma est à la tête, l'accord a pu mobiliser, je peux dire, 15 tonnes de livres. On parle de livres aujourd'hui, mon cher Tabar, félicitations et merci. Puisque je suis allé aider, naturellement, je n'étais pas seul, le frère Mali Doussouma à mettre les livres dans les cartons qui ont été envoyés à Guinée, et certains paquets se sont retrouvés sur les marchés en Guinée là-bas. Donc, je souhaiterais que la France soit totalement impliquée dans cette démarche de livres. En tout cas, pour la première fois, vous avez bien expliqué, pour la première fois, notre pays, notamment la capitale guinéenne, a été choisi par l'UNESCO comme capitale du livre. En tout cas, c'est un honneur, un grand honneur pour notre pays. Félicitations pour cela. Donc, mon cher ami, si je prends la parole, c'est pour féliciter le travail qui a été fait, que l'accord a fait. En tout cas, je félicite cette rencontre, cette décision lorsqu'elle a été prise, il y a à peu près un an pour tenir cette rencontre. Je pense que j'étais là aussi, à la rue des Fentes, là-bas, avec naturellement notre frère Candide, qui lui aussi doit tenir une conférence similaire. Mais je souhaite sincèrement que ça puisse tenir et que ça puisse nous servir au moins cette fois-ci. Le frère Touré a fait un témoignage poignant et que je l'ai fait citer tout à l'heure à la sortie. C'est un témoignage poignant. Notre pays est confronté à d'énormes difficultés. Mais ces difficultés ne sont pas seulement sur les études, sur l'agriculture. Ce sont des difficultés essentiellement de gestion par rapport aux hommes qui dirigent le pays, qui sont en pacte. Il faut que cela change. Vous savez, la politique, je ne me fais même pas sur ça, mais en tout cas, les décisions similaires, il faut faire en sorte qu'on puisse se mettre dans la position de gagner, qu'on puisse prendre. On ne vous donne, personne ne vous donnera ce que vous voulez obtenir. Or, la diaspora guinéenne, c'est une diaspora qui est vraiment très mouvante. Elle bouge beaucoup, elle fait des propositions, et malheureusement, encore une fois, ses actions n'ont pas été tournées depuis toutes ces années, n'est-ce pas, de succès. Et je crois qu'il ne faut pas se fatiguer, mais nous commençons à être fatigués parce que ça fait quand même 40 ans que nous nous battons, en tout cas, pour mettre en valeur notre communauté. Moi, je vous remercie, je félicite et je remercie très sincèrement Gassaron. Je me retourne vers lui parce que si nous sommes dans ces locaux-là, Sorel l'a dit, c'est grâce à lui et gratuitement. Et gratuitement. Vous savez, lorsque quand vous demandez des salles de rencontre ici, vous allez à la GK, juste à côté, vous payez 400 euros, ne serait-ce que l'après-midi. Donc, merci M. le maire, félicitations et merci pour tout ce que vous avez fait pour notre communauté. Merci, merci Campbell. On passe au micro à Camélia. Juste Campbell, quand même, je pense à la juste. Tu as dit que nos actions ne sont pas couronnées de succès, tu voulais dire qu'ils ne sont pas de reconnaissance. Parce que la diaspora fait beaucoup de choses, comme tu le sais, et c'est ne sont pas reconnues. C'est ça, voilà, merci. Tout à fait. Parce que toi aussi, tu peux et je voudrais dire, pour appuyer les propos de mon jeune frère Kevin Camara, le ministère des Guinéens de l'étranger n'a pas disparu. Ça a été simplement intégré dans le ministère des Affaires étrangères. Ça existe encore. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contenu là-bas. Le ministère existe, c'est une coquille vide si on veut, mais le contenu doit être vraiment mis en place. Si nous sommes associés, nous, Guinéens, ni de l'étendue. Ok, merci. C'est une question de nuance. Hein. Moi, j'ai compté les 31 ministères, je n'ai pas vu un qui s'appelait ministère des Guinéens de l'étranger. Allez-y, monsieur Magalien. Alors, je ne tiens pas à rester longtemps. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole si le départ venait d'être assuré.
sur la couverture médiatique, je ne veux pas être jugé parti, mais il y a un terme qui me choque. Pourquoi les Guinéens de l'extérieur ou même de l'intérieur pensent que nous, nous sommes là pour les aider, comme si nous n'étions pas les Guinéens? On n'est pas là pour les aider, c'est notre pays. Si nous y allons, nous n'avons pas besoin de leurs accueils. Nous allons chez nous. Qu'ils le veuillent ou pas, moi, personne ne m'empêchera en Guinée de faire ce que j'ai envie de faire. En tout cas, ça ne sera pas par des menaces ou autre chose. Sauf si je me mets à l'impossible. Ils ont l'habitude de nous dire, mais oui, vous nous avez laissé ici, vous êtes partis. Là où les autres prennent la diaspora comme de l'or, on les incite à venir à cause de leurs compétences. En Guinée, nous sommes diabolisés. Il faut qu'on le sache, ce n'est pas par manque d'intelligence ou pas, mais ceux qui sont sortis ont eu la chance d'étudier dans les grandes universités. C'est ça, c'est une réalité. C'est par là que le meilleur se trouve. D'abord, qu'on le veuille ou pas. Alors, ne vous laissez pas faire. On a l'habitude de nous dire, vous nous avez laissé si vous êtes parti. Heureusement que je suis parti. Moi, la Guinée, c'est jusqu'à la 11e année hein, qu'ils ont financé pour mes études. Le reste, je me suis débrouillé jusqu'au 3e système. Mais je ne fais pas partie de ceux qui ont détruit ce pays. Ceux qui se vantent d'être restés au pays, c'est sentir qu'ils ont pillé ce pays, c'est sentir qu'ils ont détruit ce pays. Je préfère être dans cette situation, être à l'extérieur, aider mon pays par des mandats, avoir des connaissances. Chacun d'entre nous a une voix pour la vie. Chacun peut faire des choses. Je préfère mille fois cette situation d'immigrés qui n'ont pas pillé ce pays que ceux qui sont restés là-bas. Ils ont pillé notre pays, ils l'ont détruit, ils se sont fait construire des buildings partout en Occident, alors ils nous disent vous nous avez laissé ici. Je suis fier d'être ceux qui sont sortis et ne pas être parmi ceux qui ont détruit ce pays. Je ne suis pas étranger en Guinée, personne ne doit me recevoir là-bas. À quel titre? Je suis bien, je ne demanderai pardon à personne, en commençant par le président de la République. Je vous remercie. Merci, M. le président. Pour les derniers inscrits, c'est vraiment, c'est M. Diab qui va prendre la parole. Ensuite, il y a notre frère Max, Mohamed Max Mangoua. Et ensuite, on va conclure, s'il vous plaît. Bon, parce qu'on va rendre la salle et à Diab. Bien, j'ai une question. Je suis un peu la crème, là. Finalement, et tous les participants, tous les intervenants, vraiment c'était quelque chose de très réussi, de très enrichissant. J'espère qu'on en fera d'autres. Mais en fait, ce que je regrette un petit peu, c'est que, bon, quand elle a dit tout de suite, c'est que, souvent qu'on a fait des choses très intéressantes, mais ça ne laisse pas de traces. Donc là, je pense qu'on a pris quelques mesures, c'est couvert, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour dire que, en fait, l'APTOG a un projet de site propre qui est presque terminé, en quelque sorte. C'est que le squelette est là, l'étagère est là, tout est là. On a quelques articles, mais on a beaucoup de rubriques vides. Donc, en fait, on cherche des articles pour meubler nos rubriques. Parce que nos rubriques vides, on ne peut pas être publiées. Donc, si vous publiez un rubrique vide, comme si donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a envoyé déjà au membres de l'APTOG le nom du site avec les différentes publics, histoire, géographie, science. On demande à tous ceux qui le souhaitent de nous envoyer des articles que vous soyez de l'APTOG ou non, pour les faire dans notre site. Et si notre site est opérationnel, de même, on aurait vu cette conférence sur le site. Puisqu'il n'est pas publié, on ne peut pas. Donc là, c'est un des exceptions qui nous prouvent en quelque sorte. Donc, nous faisons appel à tout le monde, il y a toutes les compétences ici, on a vu, hein, toutes les disciplines. Ce qu'on peut faire, comme pratiquement tout le monde a donné son adresse email, si vous le souhaitez, on peut vous envoyer directement des sites et vous positionner sur une rubrique où vous voulez intervenir. Et comme ça, vous aurez un
dans un noir, on ne touche pas le sac. Donc je fais appel à tout le monde, et puis on vous enverra donc la visite si vous êtes d'accord pour les contributions éventuelles, qui sont vivement souhaitées. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Effectivement, je travaille formidable à Saint-Pierre-Com. Moi-même, je m'en vois rapidement. Notre animateur, notre grand mentor de l'EDIA. Moi-même, tu lui donnes s'il te plaît. Merci. Bon, bonsoir à tout le monde. Je m'en voudrais de partir sans partager ma lecture de cette conférence, mais également de la situation de notre pays, une situation que je connais un peu. J'aimerais mettre l'accent sur trois points. Le premier, c'est sur le fait que le diagnostic, on connaît tous, hein, on sait tous que les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité au pays, mais je veux dire, malheureusement, on s'arrête souvent à ce diagnostic où les actions qu'on mène sont des actions qui sont pas soit encouragés, soit au niveau politique, on bute souvent sur une mauvaise organisation, souvent même sur une mauvaise volonté politique ou une volonté politique inexistante. Mais après, ça s'arrête là. Mais je pense qu'on devrait aller au-delà, c'est-à-dire dire les choses. C'est-à-dire dire les choses, c'est éviter de tourner autour du pot, parce qu'on est trop fort, on tourne toujours autour du pot, on dit ça va pas, c'est la faute à qui. Dès que vous dites c'est la faute à qui, vous ne verrez personne pour vous dire que c'est la faute à ce monsieur qui occupe ce poste, qui est payé à la fin du mois pour faire ce travail, qui n'en a certainement pas les compétences, qui n'a pas le réseau, qui n'a pas la stratégie, qui lui-même peut-être n'a pas les moyens qu'on n'a pas mis à sa disposition, qui lui-même devrait dire que si je n'avais pas le faire, c'est parce que je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas les mérites. Mais à partir du moment où on fait le diagnostic, on s'arrête là et on passe à autre chose. Et on va de déception en déception. Le projet bien formulé, bien conçu, bien ficelé, qui n'avance pas à projet, qui échoue, en projet qui échoue. Et du coup, on est toujours dans une situation qui, depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans, 15 ans, est la même. Bonne volonté, bon projet, bonne initiative. Au moment où on doit réussir, ça bloque parce qu'on n'ose pas dire les choses. Monsieur Pierre a parlé tout à l'heure de la démarche d'écrire une lettre ouverte. Et oui, on dit qu'on est dans un pays démocratique. Il faut qu'on puisse dire les choses. C'est-à-dire, dire les choses, c'est pas en vouloir à Paul ou Pierre parce qu'il occupe tel poste. Mais il faut le lui dire. Peut-être que lui-même, en le lui disant, il va se rappeler que peut-être c'est pas de sa faute, c'est la faute à quelqu'un d'autre. Et là, déjà, je pense qu'on serait dans une situation de début de solution. Donc ça, c'est au niveau du diagnostic. Le deuxième point, c'est l'importance de la communication. L'importance de la communication. Donc tout ce qu'on est amené à faire, c'est de transmettre aux populations pour lesquelles on initie souvent des actions, que ce soit dans le domaine de la lecture, dans le domaine du renforcement des capacités, les destinataires finaux, ce sont ces populations. Il faut qu'on puisse, à mon avis, faire de telle sorte que ces populations puissent percevoir le message qu'on veut leur transmettre. Et souvent, on bute aussi à ce niveau, on se rend compte de passer dans le journal télévisé à la RG, on vous dit oui, mais on est passé dans le journal télévisé, ah oui, mais ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà, mener des actions sur le terrain, à la radio, il y a les réseaux sociaux, il faut qu'on puisse aller dans une démarche où on a un souci d'efficacité derrière, qu'on se dise, avant qu'on ne mène l'action, on en était à 10 personnes sensibilisées, et qu'à la fin, on puisse se dire, ah, on a réussi quand même à toucher 100 personnes, 1000 personnes, et je pense en cela seulement qu'on peut mesurer réellement l'impact et l'efficacité des actions qu'on mène. Et le dernier point sur lequel je souhaiterais mettre l'accent, c'est au niveau purement et simplement de l'organisation de la diaspora. Je vois Canera bien dire tout à l'heure, j'ai pas besoin qu'on mène ou qu'on... Non, c'est pas une question qu'on mène. Il y a dans toute action qu'on mène, il y a ce qu'on appelle une formulation. On ne peut pas se lever un bon matin. Si on veut aider sa famille ou sa famille, on n'a pas besoin de demander la permission. C'est la famille. Mais quand on veut travailler avec des populations qui sont organisées au sein d'une direction ou d'un État ou d'un ministère,
là c'est beaucoup plus compliqué. Il faut qu'on ait derrière des structures qui sont disposées, bien organisées, à vous permettre de, pour vous permettre justement de réussir ce pourquoi vous mettez l'action. Si c'est envoyer de l'argent, c'est pas compliqué, vous allez tout de suite vous envoyer l'argent, mais en quoi ces actions que vous menez, en quoi contribuent-elles à renforcer, à améliorer les conditions de vie des populations? Je pense que là aussi, il y a une question qu'il faut se poser, mais il faut que chacun puisse se dire que je vais arrêter de dénoncer, de constater, je vais agir. Dénoncer, c'est agir. Dire que c'est elle qui est responsable, c'est agir, et peut-être ça peut permettre de faire bouger les lignes plutôt que chacun reste dans une sorte d'omerta où on n'ose pas parler, on sait que c'est elle qui est responsable, mais vu qu'on a des relations avec la personne, vu que la personne c'est vous rend service ici, on est pris entre deux chaises, on ne peut pas dire les choses, et ce mutisme général, ça fait une ambiance de on sait tout ce qui va et ce qui ne va pas, mais personne n'ose lever le doigt en premier et dénoncer parce qu'après, c'est lui qui est considéré comme le banni, celui qu'il faut abattre, c'est lui qui ne veut pas faire bouger les choses. Je pense qu'il faut qu'on profite aujourd'hui de la démocratisation de la parole, de la démocratisation de tous les outils de communication. Je donne un exemple simple d'un jeune qu'on appelle l'Observateur, qui était à Abidjan dans son petit coin, devant caméra, il faisait des petites vidéos qui passaient sur YouTube, sur sa page Facebook. Aujourd'hui, il a une autorité internationale parce que simplement, il n'a pas attendu qu'on vienne lui dire voici ce que l'État peut faire pour toi. Il a cru en ses compétences avec ses mêmes moyens, avec justement la force aujourd'hui des réseaux sociaux. Il a réussi à être une star, à quelqu'un qui compte et quelqu'un qu'on consulte par exemple pour parler de la situation en Belgique, alors que lui, il est simplement dans son petit coin à Abidjan. Donc, c'est dire qu'on peut, c'est pour mettre l'accent sur l'importance de la communication et comment on peut utiliser les nouveaux outils, les nouveaux médias, la démocratisation de la parole pour déjà dire les choses en toute liberté. Je pense qu'on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a dit ce qu'il pense, parce qu'il a dit ce qu'il pense. Il faut dire les choses après être libre plutôt que de dormir, de ruminer les problèmes. Alors qu'au fond de nous-mêmes, on sait qui est responsable, on sait pourquoi ça ne marche pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, merci. Donc, je vous remercie infiniment pour ces interventions pertinentes. On les a notées. En plus, comme l'a rappelé Brandt, cette communication-là est essentielle. Donc, nous avons des images, nous sortirons un DVD là-dessus. Avant de donner la parole au président pour conclure, je voudrais simplement rappeler aussi la nécessité, effectivement, de perspective. L'importance de sortir de cette réunion avec deux, trois grandes idées, parce qu'effectivement, c'est prévu. Je vous apprends d'ailleurs que j'ai reçu un message de feu le défunt, parce que je persiste à dire qu'il a disparu ce ministère, le défunt ministère des mineurs de l'étranger, c'est deux gars qui m'ont envoyé un message en me disant qu'il faut vraiment qu'on insiste sur l'importance de ressusciter ce ministère-là, que ce ministère a fait un certain nombre de choses. Il a commencé à travailler sur le guichet unique. Aujourd'hui, nous avons le guichet unique avec l'API, vous savez, l'agence de promotion des investissements privés qui font un travail considérable pour faciliter la création d'entreprises. C'est une idée du ministère. Il y a un travail qui est fait au niveau de l'accès à la propriété foncière et au logement. Il y a un travail qui a été fait sur la promotion de la diaspora dans les institutions internationales. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée n'est pas très représentée dans ces grandes organisations internationales où nous avons des places pays. Et donc, le ministère sert aussi à ça. Il sert à identifier les ressources de la diaspora. Est-ce qu'on peut sortir d'ici en se disant que nous collectivement, nous lançons un appel pour que ce département qui a disparu, parce qu'il a disparu, ce département à part entière autonome, doté de moyens importants, que nous demandons que ce département ressuscite. Est-ce qu'on est au moins d'accord là-dessus? D'accord. Très bien. Donc on va dire à la majorité, nous allons intégrer ça comme perspective. Le contenu. Bah, bien, en travaillant sur un contenu et efficace, évidemment, et de vraies propositions d'action. Est-ce qu'on peut dire aussi que, parce que le ministère avait envisagé à un certain moment de mettre en place un forum de la diaspora qui devait se tenir à Conakry et qui devait identifier les différents problèmes de la diaspora, les recenser, et qui devait aussi éventuellement
éventuellement déboucher sur un haut conseil des Guinéens de l'étranger. Est-ce qu'on peut demander que ce forum ait lieu le plus tôt possible pour que les Guinéens de l'étranger et de l'intérieur se retrouvent pour réfléchir sur les questions de notre pays? Est-ce qu'on peut dire qu'on retient ces deux grandes idées comme sorties un peu de cette réunion-là? Que les Guinéens de l'extérieur se retrouvent. Il ne faut pas faire un amalgame pour le moment, en tout cas, entre les Guinéens de l'extérieur et ceux de l'intérieur, sinon ça sortira. Que les Guinéens de l'étranger se retrouvent, c'est notre affaire à nous. C'est notre affaire. Donc là, la proposition que je fais... Comme tu l'as dit, ils sont très nombreux là-bas en Guinée. Voilà, mais ce forum qui permet que la diaspora et les Guinéens de là-bas, sous l'égide des autorités, se retrouvent pour réfléchir sur ces questions collectives. Est-ce qu'on peut garder ça? Nos retrouvailles ici, on s'en occupe avec l'ACOP, avec la CAGL, avec toutes nos associations. Je pense que ces deux points, on peut les garder comme le point, on va dire, commun à cette rencontre, sur laquelle tous ici on est d'accord, avec bien entendu l'importance de la communication, parce que faire savoir, c'est aussi important que faire. Et donc là, on retient ça, et je donne la parole à Tati pour conclure cet après-midi. En remerciant infiniment Yassama, ça a été fait plusieurs fois, donc j'arrête parce que sinon il va être gêné, c'est quelqu'un d'assez public. Mais merci pour cet espace et Cathy, le président, pour conclure. Quelqu'un a évoqué Mali Issoua. Je pense qu'effectivement on peut, avec ce retour de nos conférences, lui rendre hommage quand même, puisque ça a été le premier président de la COP, donc pensez. Fraternel et amical au doyen de la division. Merci pour ce rappel. Bon, je précise donc que le frère Souma Malini, qui est actuellement en Guinée, a été le premier président effectivement de l'association. Il a mené vraiment de le faire, très faire, à lui rendre la fin du monde. Doré, qui vient de mourir à son âme, a été aussi un membre très influent. Donc, je ne vais pas répondre à les questions sont là, j'avais choisi ce que je considère comme très important. D'abord, docteur Pia, je vais répondre à la question de docteur Pia. Docteur Pia a posé la question des livres et aussi du matériel. Les livres ont été effectivement envoyés. Les laptops aussi a envoyé des livres en Guinée. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Lors d'un de mes voyages en Guinée, j'ai essayé de savoir où c'était passé. Impossible. L'équipement qui est que l'ACOP a envoyé à installer à Donka, je suis passé à Donka, le centre m'importe le nom de Dr Kourouma. Impossible, c'était fermé. Et nous, on a envoyé cet équipement, c'était pour faciliter. Les soins, les examens, pour que le prix ne revienne pas très cher à la population. En fait, je crois qu'ils allaient faire un truc commercial. Donc, là, j'arrive à Donka, je demande à visiter cette salle, je pensais que c'était en fonction, de faire que l'opérateur n'était pas là. Impossible de mettre la même chose. Maintenant, pour nous revenir un peu sur les gâchis que ce pays-là a par rapport à la diaspora. Moi, en tant que chercheur au CNRS, j'avais mobilisé autour de moi pour que, au changement de régime, on puisse faire quelque chose avec le pays. C'était sur l'énergie solaire. Il suffisait d'une signature, simplement parce que le CNRS n'envoie pas ses gardes comme ça. Une signature de n'importe qui du ministère aurait suffi pour que ce projet-là marche. Qu'est-ce qui a bénéficié ça? L'année d'après, la commission me rappelle où est-ce que j'en suis avec ce problème. Pour dire que j'étais décidé à aider. Ce projet a atterri où? Au Vietnam. Et chaque année, il y a 3 ou 5 Vietnamiens qui sont formés. Je ne sais pas où ça en est maintenant, mais ça a duré au moins 6-7 ans. Et ça, c'était pour l'année. Ça, c'était pour rejoindre un peu l'idée de Silla François. Pour dire que le pays. Dans le même ordre d'idée, j'avais pris contact avec la Caisse des dépôts, et conciliations, une grande caisse ici, vous comprenez. Excusez-moi le Président, parce que comme
on ne parle pas après le président. Il y a l'autre Bardé qui voulait préciser quelque chose. Ah. Bon, je le prête. Parce que c'est lui qui conclut. Donc, Bardé, la parole. Non, juste, c'était juste pour accompagner ce que tu viens de dire. Pas besoin de micro. Non, c'est pour la première fois. Si c'est pour le président, on va confirmer ce que dit mon ami Cathy Arou, avec qui j'ai collaboré quand même depuis 86 au sein de l'ACTOB. Je suis un des vieux de la vieille. Bref, si Nico Valence au 10e de Milligram, du matériel destiné au laboratoire de chimie, du matériel qui a été expédié aussi à Kenya. Tout ceci est resté finalement et pour actuellement dans des remises, semble-t-il. En somme, ce ne sont pas les efforts qui manquent, ce ne sont pas les initiatives qui manquent, c'est le suivi qui ne se fait pas. Et il se fait pourquoi? Parce que tant que les intérêts des destinataires ne sont pas suffisamment satisfaits par ce que l'on fait, et vite, et c'est ça le drame de la société scientifique guinéenne. J'ai essayé de faire signer un contrat entre l'Université Paris-Sud et l'Université Lugano. Pendant 4 ans, le contrat est resté dans les bureaux de certains doyens, ou jusqu'à ce pas celui du directeur lui-même, jamais il n'a été signé. Et bien tout ceci est parti, maintenant on est à la retraite, on ne peut pratiquement plus rien faire, c'est pas Jérôme. Voilà, donc il ne faut pas désespérer non plus, les générations qui suivent, tels que celui-ci, vont certainement reprendre le flambeau. Et je lui disais tout à l'heure que je suis content de savoir qu'on a un polytechnicien ici. Moi, j'ai un des enfants qui a fait l'école centrale. Eh bien, tout ceci montre que la communauté guinéenne est riche. Elle est riche dans tous les sens du terme. Excusez-moi de l'intervenir. Merci. Bon, on laisse le président poursuivre sa réflexion. Merci d'avoir merci. Merci. Heureusement que la relève vient derrière, ça, on ne désespère pas. Et puis il faut rappeler une chose, c'est que les Guinéens ont été à la base de la formation de beaucoup de jeunes de la sous-région pendant les années terribles chez nous. Prenez les écoles privées de Côte d'Ivoire, du Sénégal, les Guinéens ont été là, surtout dans le domaine scientifique, ça on le sait bien. Donc, il ne faut pas désespérer. Bon, je crois que pour Dr Gall, ce que je souhaiterais, c'est que vraiment tu reviennes à la top et que tu viennes booster de te réveiller, parce que c'est possible à voir. En tout cas, je vais faire ça. Vraiment, c'est à désespérer. Personnellement, vous ne pouvez pas imaginer l'effort intellectuel que je dois me poser pour pouvoir continuer à travailler dans la top. Lorsque on a échoué, pas de sa propre faute, mais de la faute du pays qui ne veut pas qu'on ait, mais il faut vraiment avoir un amour fou du pays pour continuer. Et c'est ce qu'on a. C'est dommage, mais c'est comme ça. On a laissé ne pas baisser les bras. Ça, c'est donc une réponse. Maintenant, pour la Guinée, l'année des livres de la Guinée, moi, je crois que là, il y a quelque chose qui m'a un peu choqué tout dernièrement, ça je suis pas mal à parler, c'est l'histoire du stand à la foire du livre de Paris. Que le pays n'est pas se trouve vraiment avoir un stand digne de nom pour un montant peut-être l'histoire par rapport à ça, ça c'est aussi très décourageant. Bon, mais je sais que ça c'est pas assez de ressources, et nous, en fait, ce que je peux dire à ce moment-là, je l'ai dit à des fois, je le répète ici, c'est que l'ACTOB est décidé à intervenir dans la mesure de ses possibilités, bien sûr, et je pense qu'on en a, dans le cadre de cette manifestation. Il y a une autre question que je crois que c'est Campbell qui l'a abordé, c'est ce qui va sortir de cette réunion. Heureusement, on a eu cette fois-ci la bonne idée d'avoir l'enregistrement des cachets pour le travail de droit. Le problème maintenant, c'est la suite. On a décidé, je pense qu'à Saint-Denis, on a décidé de reprendre nos séries de conférences. Il ne s'agira pas cette fois-ci de venir faire des conférences, disons, humanitaires, mais il faut.
l'application concrète qu'on peut en tirer par rapport au pays. Et ici, l'exemple qu'on a donné, c'est par exemple revenir sur le ministère des Affaires étrangères. Ça, je crois que chacun a dit, c'est pas supprimé, c'est au ministère des Affaires étrangères, mais c'est le contenu qu'il faut que nous travaillions. Il faut qu'on travaille sur le contenu. Évidemment, après, est-ce que ça sera reçu ou pas? Par rapport à cette réception de ce qu'on fait, je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de travaux que l'APTOC a pu faire par rapport à ses membres. Moi, j'ai assisté au moins à 5 ou 6 commissions avec les États généraux de l'éducation nationale. Et à chaque fois, on a produit des textes. Notre président de la commission urbaniste a travaillé sur le développement de Matoto. Ça a été utilisé par le gouvernement pour Matoto. Et beaucoup de choses décidées au niveau de l'État proviennent des réflexions que les cadres de l'APTOC ont pu faire. Il y a eu beaucoup de travail comme ça. J'ai au moins une vingtaine de travaux qui sont dans nos dossiers. Pour les publier, je parle sur le site, on va certainement les publier. Ça, c'est. Bon, il y a Vance qui a parlé tout dernièrement, il a parlé d'éthique, de la communication. Les familles éthiques, bon, on peut les utiliser sur tous les niveaux, mais l'important dans l'utilisation de l'éthique, c'est ce que l'on transmet. Ce que l'on transmet, par exemple, au pays, et moi je vois l'éthique, si bien en matière d'information, mais aussi en matière de transmission de connaissances. Et là, les MOOCs, etc., si là, François en a parlé. En résumé de tout cela, qu'est-ce que je peux dire? Si derrière, au pays, je veux dire, il n'y a pas la volonté politique d'utiliser la diaspora, je pense que nous pouvons nous débattre, nous gesticuler, faire des efforts, mais il faut une réelle volonté politique d'utilisation de la diaspora. Lorsque vous voyez même en France, la semaine dernière, le vice-président de l'UDI a zappé le congrès de son parti pour aller faire une conférence à Harvard. Pourquoi? Pour inciter les chercheurs, les étudiants français qui sont sur place, à les inciter à revenir en France. Tant que pays développé comme la France fait ça, et qu'un pays sous-développé comme le nôtre ne fait pas le minimum pour faire revenir sa diaspora, je trouve que c'est quelque chose de désolé. On nous dira que ce n'est pas l'État qui peut employer tout le monde, d'accord, mais il y a la volonté. Quand vous débattez à Conakry que vous avez dit un projet et qu'on ne vous résout pas, c'est désolant. Magalhães en a parlé, c'est notre pays, on ne peut pas baisser les bras. Il faut continuer à travailler. Moi, je fais un appel à la jeunesse, aux jeunes, de rejoindre l'association. Nous, je travaille en tant que président de l'association, on travaille avec toutes les associations, avec la coordination, etc. Mais le problème, c'est que ceux qui sont jeunes, à un moment donné, ne viennent pas. On ne peut plus les considérer comme des jeunes. C'est ainsi qu'on a facilité leur adhésion à l'APTOC. Même si c'est un neurofébrile, ils viennent. Et il ne faut pas qu'ils considèrent que c'est une phagocytation ou bien qu'on va. Le réinterdit quelques manifestations, quelques expressions que ce soit. Et que les jeux doivent venir. Enfin, pour finir, je dirais que Tatar n'a pas pris la parole pour en parler, mais actuellement, on travaille sur le forum de la diaspora au niveau de l'interaction avec Sonia. Je crois que les associations AGGM, CAGM, tout ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en plan, je pense. Voilà, merci Monsieur le Président. Le dernier, c'est ça par contre c'est possible, celui qui nous accueille peut parler après la conclusion du Président. Donc on va demander à notre frère Ami Gassama, maire adjoint de Paris 20e, de venir dire deux mots de fin. Non, il va être invité pour rejoindre ici. Mohamed Gassama, qui est guinéen, même s'il est français et sénégalais. On va dire qu'il est plutôt français d'origine guinéenne. Voilà, j'oublie le Sénégal pour une fois. Merci, Moyen Fouetti, merci Sorel, merci à vous tous. Finalement, nous sommes de la salle.
diocèse et tout ça. Quand on est effectivement fils d'unité, on est fils de tout, on est fils du Sénégal, du Mali, de la Guinée, bien sûr, de Burkina Faso. Et justement, nous, comme on dit, les élus de la diversité, nous sommes les représentants, bien sûr, républicains, toute cette tradition, toutes ces origines qui font que nous avons peut-être un supplémentaire par rapport à d'autres et que nous arrivons à comprendre certaines réalités que d'autres ne peuvent pas comprendre facilement. Pour revenir très rapidement, effectivement, il faut qu'on libère la scène très rapidement, ça c'est l'expérience de l'Amérique qui nous a obligé cela. Oui, j'ai accompagné la diaspora guinéenne depuis un certain temps maintenant. Je vois comment elle a évolué depuis maintenant 2008. Je suis élu à la mairie du 20e. Elle a évolué positivement. Elle a vraiment construit des choses entre effectivement la France et la Guinée par des projets multiples dans le co-développement, dans la culture, effectivement, capitale Conakry, capitale du livre. Et on est un des exemples pertinents. Et tout un tas de thématiques ont été abordées par cette diaspora. Et cela, je pense que c'est un travail colossal, considérable. Vous avez des cadres guinéens maintenant un peu partout qui, par exemple, au Forum, avec Thierry Camara, qui arrive justement à pousser justement cette envie de faire, cette envie de construire pour le pays, mais au-delà, parce que maintenant, les Guinéens sont pris en exemple dans pas mal de diaspora pour les réalisations qu'ils sont en train de réaliser dans le pays d'origine. Donc ça, il faut le capitaliser, il ne faut pas le perdre. Et c'est, la phase, maintenant, le temps d'avance que vous devez maintenant mettre en avant pour que, justement, ces réalisations-là soient une concrétisation qui soit vue pas que par les Guinéens, mais par l'ensemble des autres citoyens ici en France, mais aussi dans les pays d'origine. Donc ça, c'est quelque chose que pour moi est réconfortant. Et réconfortant parce que on se dit que le travail que l'on a abattu depuis un certain nombre d'années porte ses fruits. Et pour l'élu que je suis de la République française, je me dis que j'ai des interlocuteurs qui sont crédibles et qui arrivent à des résultats courants. Maintenant, il faut passer le temps d'avance. Il faut aller maintenant plus loin dans ce que l'on fait ensemble. Et c'est vraiment ce que l'on a fait récemment en l'année dernière, en 2015, avec justement ce forum de la diaspora, où on est allé entraîner avec Malik Kavradami qui est dans la salle, où justement cette diaspora guinéenne a montré qu'elle pouvait apporter sa contribution au pays et dire des choses, justement comme vous l'avez dit aujourd'hui, dire des choses concrètes pour qu'il y ait une influence sur les décisions qui sont prises au pays, là-bas en Guinée. Donc ça, il faut le continuer. Et souvent, c'est ce que le loyer avocat vient de rappeler, ce forum d'espoir qui est en cours, qui est en chantier, et qui doit, pour moi, être un des chantiers importants que vous devez pérenniser parce que c'est là, c'est dans cette réflexion, dans cette réflexion intellectuelle et dans cette réflexion du fait que l'on peut arriver à aussi contribuer positivement pour le pays. Donc je vais être plus long, parce que voilà, on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Moi je vous exhorte vraiment à continuer ce travail important qui est fait depuis des années. Ça a commencé avec Sorel, la CHF, c'est avec après Cissé, avec Thierno Camara, je le répète encore, Mali Cabra et tous les autres associatifs guinéens que j'ai pu côtoyer depuis un certain nombre d'années, qui ont démontré que même avec des moyens colossaux, on fait ces réunions, on fait à la mairie, on fait ces réunions un peu partout, avec des petits moyens par rapport à d'autres diasporas qui, quelquefois, ont des moyens beaucoup plus importants et qui font pas forcément des choses plus pertinentes. Mais, bon, il faut quand même saluer ce travail qui est pour moi, vraiment significatif et qui, je pense, va porter ses fruits. Ce qui est important aussi, c'est
ce flambeau que Brian Foucati nous transmet. Moi, je me considère comme une génération future et je considère aussi que je dois redonner aussi le flambeau à d'autres. On l'aura fait à chaque fois que les habitants vous donnent un mandat, vous n'êtes là que pour 20 ans. Et ce temps-là, il faut le remplir, il faut le, comment dire, lui donner sens et lui donner corps, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que le peu que je peux faire pour la communauté guinéenne et pour d'autres communautés, bien sûr, c'est effectivement d'ouvrir les salles de la mairie pour obtenir ce genre de réunion, aussi pour faire des actions, comment dire, concrètes, comme la dernière fois on avait fait le salon d'emploi avec les jeunes de Guinée. Donc c'est toutes ces actions-là, des actions de réflexion avec le club de l'UG. Voilà, je commence à être un connaisseur pertinent de la communauté guinéenne. Et c'est pour ça que j'adore cette communauté. Elle me fait vraiment honneur. Elle avance. Et je suis sûr que ça va continuer parce que vous avez ça au cœur, on le sent. Vous avez l'amour de tout pays. Vous avez aussi l'amour du pays dans lequel nous sommes ici, la France. Et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir là. Donc, merci à tous d'être venus. Tu pourrais en parler. Merci à tous. Il y aura des photos qui vont être faites, notamment d'un artiste qui s'appelle Loïc, qui peut faire une photo avec tout le monde. Merci. Le mot de la fin, tout le monde le connaît. Haut les cœurs, on continue. Haut les cœurs, pour que le Forum Guinness Back s'incarne dans des choses concrètes. Ok. Et reconquête de la citoyenneté, comme tu disais, à tout le monde. Je vais,